Un peu. Depuis que tu es revenu de l'Inde où tu as participé à une compétition de danse, tu portes des vêtements du ciel comme si tu venais du ciel. Et comme étant le nouveau patron partout dans cette contrée, j'ai décidé de venir auprès de toi pour pouvoir te demander s'il te plaît, viens dans mon équipe. S'il te plaît, viens. Dans ton équipe? Oui. Pourquoi faire? Question très importante. Question importante et très merveilleuse. Écoute, je sais que j'ai une femme, mais ma femme est trop locale pour se tenir avec moi en public. Tu comprends ça? Alors s'il te plaît, je veux faire de toi ma première dame et ma nouvelle femme. Si tu es d'accord, ha. Bien sûr. C'est comme tu sais, je viens fraîchement de l'Inde. Namaste. Alors je ne suis pas encore prête pour le mariage. Oui, je vais profiter de cette petite somme que j'ai gagnée à l'Inde pour me positionner. Je vais agrandir mon bar. Biko, c'est ce qui est sur mon agenda maintenant. Concorde, calme-toi, Concorde. On ne parle pas de gagner d'argent ou de pouvoir ici. Hein? Tu sais très bien que le parti Hopi est le parti le plus populaire dans cette contrée. Hein? Je veux faire de toi ma première dame ou bien tu ne veux pas être célébrée, être la femme la plus célébrée. J'ai entendu ce que tu viens de dire. Je dois me décider. Hé, hey, mais c'est tout ce que moi je voulais entendre, ma Concorde. Ok, voici, ça c'est ma carte. Hein? En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, ma Concorde. merci beaucoup. Je ne sais même pas comment te remercier. Merci beaucoup. Hey, ma Concorde, la belle femme. Hey. Hey. Waouh. Hey. Dépêche-toi, comme ça tu pourras passer à autre chose. Oui, tante. Mais descends là, ou bien. Franchement, tout ça c'est quoi, hein? Tout ça c'est quoi? Papa. Attends. C'est quoi ce son, papa? Non, dis-moi, à quoi ça ressemble? Je dis d'entrer, tu frappes. Mais pourquoi tu fais ça, papa? Pourquoi tout ça, papa? Tu ne peux pas acheter une vraie voiture. Regarde un peu celle-ci, elle a vieilli. Une voiture qui n'a même pas de marque de fabrication. Une voiture qui n'a même pas de griffes. Regarde un peu là à l'intérieur. On n'a même pas de split à l'intérieur. Regarde un peu comment je transpire. Je transpire. Hein? Regarde un peu qui tu es. Tu travailles au gouvernement local. Tu es mieux payé à ton poste. Mais regarde-toi, incapable de changer une voiture. Oh, franchement, il faut arrêter avec tout ça. Oh. Je ne sais pas quels sont tes problèmes. Mais si je plais à toi au sujet de ce véhicule, oh, tu veux que j'y mette du climatiseur afin qu'il soit ruiné par la pneumonie. C'est pas moi. Et tu veux que j'aille acheter une voiture de luxe afin que les kidnappeurs me saisissent? Mais c'est comme... Non, mais papa, pourquoi est-ce que tu dis ça? Non, pourquoi tu parles comme ça? Comment est-ce que je parle? Hein? Tous ces gens dans ces villages qui conduisent des belles voitures, des belles jeeps, des belles marques et tout ça, hein? Est-ce qu'ils ont tué des gens? Ils n'ont pas été kidnappés, mais ce que c'est est que tu prendrais ton téléphone et m'appellerais. Papa, donne-moi ton code secret afin que je puisse les payer. Ça ne marchera pas pour toi. Ne fais pas ça, papa. Toi, on te paye beaucoup d'argent, hein? Je vois tous ces chèques avec beaucoup d'argent. Je les vois avec mes propres yeux, hein? Mais tu es là, tu veux souffrir. C'est quelle honte, ça? Tu es envoûté ou bien quoi, papa? D'ailleurs, on ne mange pas bien. Déjà, tu sais, je ne blague pas avec la nourriture. Je ne blague pas avec ma nourriture. Tu me comprends? Déjà, à ce niveau, on ne mange même pas bien. Même un appartement, on n'en a pas. Avec tout ce que tu gagnes comme argent, si tu arrives à l'épargner, on peut modifier cette maison, acheter une autre maison et ajouter même 3 nouvelles jeeps. Chouma. Ne me Comment dis tu ne comprends pas? Ne me dis pas que tu as accès à mon téléphone.
Donc, ce que veut dire que tu vois mes alertes, tu fouilles ma messagerie. Je commence à te soupçonner. Pourquoi je me dérange même? Je pense que la meilleure chose à faire, c'est de l'envoyer dans sa maison maternelle. Je dois t'envoyer. Ouais. Moi, papa, tu ne peux pas... Tu vas aller dans ta maison maternelle. Papa, moi, tu ne peux pas me traiter comme tu le fais avec ma mère. Oh. Moi, je suis un rebelle. Je suis un rebelle. Okay. Bien qualifié, je suis un rebelle. Tenant du titre. Je ne peux pas bouger d'ici. Écoute, papa, maintenant que tu es en train de parler, je ne dis pas que tu dois mourir, oh, mais si un jour arrive et que tu meurs, même pour l'amour, ou peut-être que tu démissionnes à ton poste de gouvernement, moi, je serai celui qui va te remplacer. Je serai ton suppléant. Tu sais, je vais te représenter, car je suis ton fils unique. Tu me comprends, hein? Tu ne peux pas me chercher comme tu l'as fait avec ma mère, oh. Ok, je t'ai écouté. On va mourir ici. De façon religieuse. Et tu sais ce qui va se passer maintenant? Ce matin, tu vas partir parce que je vais prendre une nouvelle femme. Une nouvelle femme qui me donnera d'autres enfants. Je ne sais pas ce que toi et ta mère êtes en train de planifier. Parce que, de toute indication, il apparaît que vous planifiez à en finir avec cet être humain afin que vous preniez ses biens. Écoute, 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 papa. Ne me touche pas. Non, non, apaise-toi, apaise-toi. Papa, n'ose pas le faire. Car si tu oses le faire, ça sera la guerre, ça sera la jungle dans cette maison. Et cette femme va souffrir. Et cette souffrance sera de ta faute, je te l'ai dit. Je te l'ai dit, papa, car je ne fais aucun problème. Parce que la seule personne, la seule femme qui est autorisée d'entrer dans cette maison, c'est ma mère. Ma mère est très jeune. Elle est encore très très jeune, tu comprends? Et elle peut encore te faire des enfants. Ma mère peut encore tout te donner. Et d'ailleurs, tu sais comment ma mère marche là, tu vois, hein? Tu vois un peu sa démarche là, ma mère, c'est pas comme si elle faisait... Comme si elle faisait des marches du singe. Mais malgré tout ça, elle est romantique. Elle est jolie. C'est pas romantique. Elle est jolie. Comment marcherait-elle comme ça? C'est une chienne que j'ai épousée. Mais tu sais ce qui importe pour moi? Ça devient maintenant clair pour moi. Tu vois ce que je suis en train de dire? N'est-il pas clair pour toi que tout ce que vous planifiez me faire se voit dans vos efforts? Je vois comment ta mère t'achète des habits tout pack, des habits de toutes sortes, montrant que vous avez un plan. Vous n'allez jamais réussir. Tout ce que vous planifiez, le feu du Saint-Esprit. Toi, tu iras. Mais c'est fait là, c'est sur toi, non, papa? Ok. Et ça, je te vois. Regarde un peu celle-ci. Regarde, regarde. Nawao. Papa, qu'est-ce qu'il y a? N'importe quoi. Ah ah. Il y a des belles voitures dans ce village. Mais regarde un peu la tienne. Il n'y a que toi. Dans tout le village, il n'y a que ta voiture qui n'a pas de marque. Va lui en donner celle un. Celle ta voiture. Celle ta voiture qui n'a pas de marque. Je ne sais pas si c'est brouette. N'importe quoi. Regarde-moi cette voiture. Regarde cette vieille voiture. Si cette voiture te coince, tu meurs. Même coronavirus lui-même, à lui seul, ne va pas survivre face à cette voiture, cette vieille voiture. C'est quoi tout ça? Même tous ces villageois qui n'ont rien et qu'on critique souvent, ils ont toujours Mercedes. Mercedes, c'est quoi ça? Monsieur. Oui. Vous m'aviez vu ainsi que mes hommes sur le lieu de travail. Oui. Vous nous aviez demandé de fermer pour toujours et que je puisse vous suivre. Ok. Je veux savoir pourquoi. Monsieur l'officier, je fais certaines choses pour que les gens ne sachent vraiment pas ce que je suis. C'est moi l'honorable Wakwe, même si je n'en ai vraiment pas l'air. Attendez. Vous êtes l'honorable Wakwe? Oui, c'est qui ça. Qui achète des problèmes et vend des problèmes? Officier, vous savez, même si des fois j'évite que les gens sachent qui je suis, dans l'état où nous vivons, ouvrez ce sac, hein, officier. Hormis mes affaires que je fais dans cet état. Hein? Je suis le président entrant de notre gouvernement local. Et le potentiel... le potentiel gouverneur de notre état. Donc... Vas-y, ouvre ces sacs, vas-y. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, ouvre les sacs. Oui. Jésus! Officier, tu peux prendre autant que tu veux. Hmm? Tu vois? C'est pourquoi je dis que toi et tes hommes devaient fermer au boulot et venir avec moi. Parce que je veux que vous me suiviez au bar là où travaille Concorde. Pour que quand je vais jeter l'argent, vous serez en train de tirer dans les airs, hein?
honorable. Oui. J'aurais bien aimé vous suivre. Mais je viens d'avoir un appel très urgent de mon boss. Ah. Pour une réunion très très urgente dans notre base. Donc je vous prie. Officier, tu vois, je fais ça seulement pour t'aider, hein. Prends cet argent pour toi et tes hommes, hein. Pour tous les troubles que je vous ai causés, hein. Toi et tes hommes. Honorable, je vous prie, je ne puis toucher à l'argent. Au fait, je suis un officier de police né de nouveau. Es-tu vraiment sûr de ce que tu dis là ? Je n'ai vraiment pas blagué avec Dieu, alors... je vous en prie, je dois vraiment partir, ok ? Es-tu sûr que ce n'est pas la pauvreté qui te fait dire des bêtises que tu es en train de dire là ? Hein ? Hein ? Mais pourquoi tu veux laisser la pauvreté détruire même ton avenir comme ça ? Prends un peu d'argent et change ta vie, hein ? Oui, je sais que ta famille a besoin de cet argent. Change ta vie, hein ? Hein ? Chuma, ce n'est pas Est-ce moi. Est-ce que tu vas bien ? C'est bien mon âme. Mon âme ne va pas bien. Mon Parle-moi, âme souffre. Non. Mon âme... Maman, mmh. Il faut combien de temps pour que cette douleur ne termine ? Cette vie qui me dérange. Maman, ça me dérange avec mon âme. Maman, tu sais, tout va mal, maman. Parce que maman, si tu ne fais pas attention, tu ne vas plus encore sentir l'odeur de la maison de papa. Je te l'ai dit. Je te dis vrai, oh. N'importe quoi. Chuma, ton père va souffrir, souffrir, souffrir. Après, il viendra me supplier. Ne suis-je pas à coudo ? Calme-toi. Maman, papa ne va pas souffrir. Je t'ai dit. Hein? Papa a vraiment de l'argent. Si j'essaie de te dire les différents salaires de papa, maman, hein? Si je te dis les différents montants d'argent que je vois papa dépenser, les différents salaires que papa reçoit de son poste de gouvernement là, des différents contrats. Chuma, maman, tu vas mourir de tension. Es-tu Rien sérieux? C'est mon âme. Oh mon Dieu. Ce qui me dérange le plus, maman. Ce qui me dérange le plus. Toi et ta mère. Je vais épouser une autre femme. Comme ça, toi et ta mère, vous n'allez pas profiter de mes biens. Quoi? Rien ne marche. Non. Avec mon âme. Ça, ce n'est pas possible, non? Maman, je te dis, si papa veut donner nos biens à cette jeune femme, papa le fera. Et je serai mort si je vois papa amener une autre femme dans cette maison. Imagine, quand tu étais en train de souffrir avec papa, j'étais là, avec ton petit commerce, tu lui donnais de l'argent. Mon cher. Tu lui donnais de l'argent pour son transport. Tu louais une voiture, allais jusqu'à son bureau. Tu lui donnais à manger. À manger, oui. Et après tous ces sacrifices, il veut une autre femme pour profiter de tout ça. Non, non. Impossible. Impossible. C'est mon âme. Là, je C'est jure. Mon âme. Moi qui ai tant souffert pour lui, il va me faire ça aujourd'hui? Je te dis non. Hey, je te dis. Viens voir ici, mon Igwe. Maintenant, il est temps. Je reviens. Maman, la guerre. C'est la guerre. Je te dis maintenant, c'est la guerre. Hein? Oui, la guerre. Je reviens. J'ai confiance. Ça, c'est ce que je veux. Je mettrai du feu pour sauver le foyer de ma mère. On va à la guerre. Salut. Beauté extraordinaire. Bonjour. Désolé. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Oh, merci beaucoup. Mazi, tu m'as fait arrêter. Tu m'as salué. Ouais. Tu as répondu à toutes les questions. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Non, c'était la paralysie de la pensée. J'étais paralysé en pensée et en idée, ne sachant vraiment pas quoi faire. Tu vois, j'ai une question à poser. Et si la réponse est à l'affirmative, je promets, je ferai ce que j'ai à l'idée de faire demain, ici et maintenant. Qu'est-ce que c'est? Merci pour cette superbe opportunité. Jusqu'une question, ça ne va pas dépasser une. Je ne poserai ni deux, ni trois. Est-ce vrai que, par chance, tu as voyagé en Inde avec tes deux pieds-ci? Et tu as dansé là-bas, émerveillant les gens avec tes styles de musique?
Et quand tu tournais tes cheveux, les spectateurs étaient émus en te regardant danser. Namaste. Nama quoi? Oui, c'est vrai. Cela n'est ainsi, qu'est-ce que j'attends encore? Félicitations. Est-ce que je peux partir? Ah non, 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 une minute. Laisse-moi te déposer. Hein? Laisse-moi te déposer. Une occasion que j'attendais. C'est quoi le problème? Juste une minute. Il y a des jours comme ça. Juste une minute. Te dérange pas, je continue mon chemin. Je t'ai dit que ça n'allait pas durer. Ah, ah. Ah, que veut dire tout ça? Hein? Ah, le mariage s'écroule rapidement. Ah. Parce que maman, si tu ne fais pas attention, tu ne vas plus encore sentir l'odeur de la maison de papa. Je te l'ai dit. Je te dis vrai, oh. Ce qui me dérange le plus, maman. Ce qui me dérange le plus. Hein? Toi et ta mère. Je vais épouser une autre femme. Comme ça, toi et ta mère. Vous n'allez pas profiter de mes biens. Hein? Papa a vraiment de l'argent. Si j'essaie de te dire les différents salaires de papa, maman. Hein? Si je te dis les différents montants d'argent que je vois papa dépenser, des différents salaires que papa reçoit de son poste de gouvernement là, des différents contrats. Maman, es-tu sérieux? Tu vas mourir de tension. Es-tu sérieux? C'est mon âme. Oh mon Dieu. Concord, viens, je t'aime. Concord, mon cœur. Je t'aime, Concord. Tu es mon cœur. Concord, mon cœur. Oh, papa, arrête ça. Tu sais quoi tout ça, non? Ça veut dire quoi tout ça? Ah! Pourquoi tu me touches? Pourquoi tu me touches comme ça, hein? Tu me touches, tu me caresses, on dirait que j'étais une femme. Tu veux coucher avec moi? Tu veux me rendre enceinte ou quoi? Arrête avec ça. Ah! Regarde-moi cet idiot. Qui a touché tes mamelles? Qui a touché tes mamelles? Tu m'as touché à la poitrine, tu m'as touché à la poitrine, non? Tu m'as caressé à la poitrine. Tu ne sais pas que je suis un homme, hein? Tu ne sais pas que je suis un homme. Je ne veux pas de ça. Écoute, papa, c'est ton dernier avertissement. C'est ton dernier avertissement, oh. Je ne veux pas de ça. Ne parle pas du nom de Concorde ici, oh. Écoute, avant que tu ne voies Concorde, moi j'étais déjà avec elle, oh. Je lui ai même parlé de mon amour pour elle. Alors tous ces rêves que tu es en train de faire là, c'est en vain. C'est en vain, oh. Donc arrête ça. La fille est trop jeune et toi tu es un vieux. La fille est trop jeune. Elle est trop jeune et elle ne mérite que moi. La fille est trop jeune et toi tu es vieux. La fille a besoin d'un jeune homme comme moi. Tu me comprends? Maman est là pour toi. Tu es vieux et elle est vieille. Tais-toi! C'est assez, c'est foutaise. Ces conneries qui sortent de ta bouche. Quel est ton problème? Ah. N'ose plus jamais dans ta vie perturber mon sommeil. Écoute, quel est juste ton problème? Je t'ai donné une chambre. Une chambre propre à toi en tant qu'un adulte. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu abandonnerais ta chambre pour prendre refuge ici. Pour la cause de Dieu, n'ose plus faire ça. Imagine le doux rêve que je faisais. Le doux rêve que j'avais qui, tôt ou tard, va se matérialiser. Tu es venu le couper comme ça. Ne fais plus ça la prochaine fois. Sinon, tu dormiras dehors. Écoute, papa, moi je ne t'avais pas dit que je vais dormir ici, oh. Je n'ai même pas envie de dormir ici. Voilà pourquoi je te disais, donne-moi l'argent, je vais aller chercher un chez moi. Laisse-moi gérer mes propres biens dans ma maison. Donne-moi l'argent, je vais acheter le meilleur des lits. Meilleur des lits. Quand je vais commencer à dormir dessus, je vais rebondir.
Tu comprends? Et je t'avais encore demandé de l'argent pour acheter, tu sais, le grand DVD. Tu sais, le plus gros là. Comme ça, quand je vais commencer à ramener le jolies femmes. Comme ça, quand je vais me résoudre avec elle, je vais commencer à faire... Je vais augmenter le volume des DVD. Comme ça, même si elle crie, personne ne peut les écouter. Donne-moi l'argent, je vais acheter un grand groupe électrogène. Tu vois, tu sais, le courant n'est pas stable. Hein? Je vais acheter les grands groupes électrogènes, comme ça je vais intimider tous mes voisins. Tchouma, je t'ai entendu. Hein? Je t'ai compris. Mais ne pense pas que l'achat de tout ça serait une perte de temps. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'aller louer une chambre pour toi à l'hôtel présidentiel, animal, n'importe quoi. Pourquoi ne pas demander que je loue plutôt pour toi une chambre à l'hôtel présidentiel? Tu non parles mais, des filles non que, mais... que tu as menées qui crieraient. Papa, dis-moi, tout l'argent que tu as, pourquoi tu ne me donnes même pas un peu? Pourquoi? Je suis ton seul fils unique, pourquoi tu fais tout ça à moi? Une très bonne question, une question très pertinente depuis plus de 3 ans. Mais laisse-moi te prévenir, ne perturbe plus jamais mon sommeil. Si tu le fais encore, tu verras ce que je te ferai. Fais-le papa, encore. Ne dérange pas mon sommeil, ne touche pas ma poitrine, oh. Je risque de tomber enceinte, oh. Oh. Ne serait-il pas mieux pour toi, idiot? Imaginez le doux rêve que je faisais. Il a quoi? Sûrement. Madame? Où es-tu? Je suis là. Prends cet argent. Va chez Abba. Achète tout ce dont nous avons besoin. D'accord, j'ai dit madame. Chez Abba, Choma. Si tu pars chez notre Abuja, je saurai. N'ose pas me dribbler puisque tu sais ce que je peux faire. Tantine Concorde, je sais. J'irai chez Abbas pour acheter. Pour éviter toutes sortes de problèmes. Tant mieux, dépêche-toi. Voilà la jolie dame. Tantine Concorde, me voici, venue de manière vraiment inattendue. Tu vois. Avant que je ne dise bonjour ou bon après-midi, allons-y dans mon coffre, je vais te montrer tous les habits et les chaussures que j'ai achetés pour toi. Hein? Attends. Chief, ce n'est pas important. Écoute. Bonjour. Comment le business? Comment va ta femme? Ah! Pour mes affaires immobilières, tout avance vraiment, vraiment bien. Mais pour ma femme, je ne vois plus aucune autre femme. Je ne vois que toi, ma Concorde, la belle femme. Avec toute cette beauté. Tu es la seule femme que je vois, oh. Tu es la seule femme que je vois. Hein? Chief, je n'aime pas ça. Ne penses-tu pas que tu es injuste envers cette femme? Tantine Concorde, tu vois? Écoute, hein. J'ai beaucoup d'argent. Dis-moi, combien tu veux? Hein? Tu ne m'apprécies pas. Tu n'apprécies même pas mon argent. Toute la position que je t'ai offerte. Bien, j'aime et j'apprécie, mais... Mais quoi, ma chérie, hein? Mais quoi encore? Tu n'apprécies pas ce que je te donne? Tantine Concorde, pourquoi tu agis comme ça? Mais qu'est-ce qu'il y a encore, hein? Dis-moi un peu. Vraiment, maman, je suis choqué. Je suis choqué. Imagine papa s'est réveillé très tôt le matin, aujourd'hui, à 5h. Aujourd'hui? Aujourd'hui. Hey. Juste pour aller à la boutique de Concorde. Il nettoie toute la boutique, oh. Uh-huh. Maman, ce n'est pas seulement ça, oh. Uh-huh. C'est papa qui pousse de l'eau qui sert à cette femme de préparer. Hey. Je t'ai dit, maman. Il hein? doit être envoûté, hein? Hein. Tu crois vraiment qu'il est envoûté? Ce sont des fétiches. N'est-ce pas, ce sont des fétiches? Mon fils. Écoute, ce qu'il ne peut pas faire pour moi, c'est monsieur est vraiment. Ce n'est pas envoûté. Seulement ça, oh, maman. J'ai vu papa en train d'écrire, en train de remplir des chèques, hein? Une grande somme d'argent, maman. Hey! Papa a oublié ça, il va la donner à cette femme. Chai! Ça n'arrivera pas, ça ne doit pas arriver, maman. Ça n'arrivera jamais. Ça ne doit tu pas arriver. Bien, nous sommes là en train de partir. Hein? Ce qu'on doit faire maintenant, c'est être violent. Oui.
Je n'ai pas de choix que de faire la violence maintenant. Oui. Tu vois cette fille, Concorde? Était-elle là lorsque j'avais conçu ma maison? Est-ce qu'elle était là? Elle n'était pas là. Jamais. Alors elle doit me dire pourquoi est-ce qu'elle concorde à mon mari. Ça n'arrivera jamais. Maman, écoute, calme-toi. Oui. Maman, ne te dérange pas. Oh. Peu importe le fait que tu mettras, maman, je te soutiens. Moi, je te soutiens jusqu'à 100%. J'ai confiance en toi, mon fils. Je te jure. Ça sera vraiment la guerre. La guerre avec violence. La guerre sans cesse. On ne peut pas me ravir mon mari comme ça. On ne peut pas ravir ce qui m'appartient. On ne peut pas le faire. Allons-y. On ne peut pas les récupérer comme ça. Allons-y vite. Dis-moi ce que tu es et ce que tu n'es pas. Dis-moi. Laisse-moi te dire. Je vais utiliser mes connexions au gouvernement pour te finir et te faire disparaître. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Est-ce que je blague? Avec toi, monsieur. Qui plaisante avec toi? Qui plaisante avec toi? Laisse-moi te faire comprendre ceci. La fille là que tu es en train de draguer a accepté de m'épouser. Hein? Ouais, et non ces hommes polygames de 5 ou 6 femmes comme toi. Je sais que j'avais une femme, mais nous ne sommes plus ensemble. Et c'est pourquoi elle a accepté de m'épouser. Et plus important, je suis plus humble que toi. Là, tu mens. Là, c'est faux, monsieur Tchèquoise. Alors toi, tu cherches que des problèmes, chaque jour des problèmes. Comme dans un marché, laisse-moi te dire. Je peux même l'acheter ce problème, le vendre et en faire de profit. J'étais le président de l'Union du marché central, hein. Si tu ne sais pas, j'ai la capacité d'acheter toutes choses, vendre, faire mon profit, y compris ton problème là. Hé, laisse-moi te dire. Qu'est-ce que je vais te dire maintenant entre dans ton cerveau? Honorable ou déshonorable, quoi que tu te fais appeler maintenant, ça me fait un peu. Honorable, appelle honorable. Au cas où tu l'ignores, quoi que tu planifies contre moi retournera contre toi. Ça s'appelle retour à l'envoyeur. Nous allons voir. Ok, on verra. Tchèquoise, nous allons voir. Ne le remets pas après. Fais-le ici je maintenant. Je vais utiliser mon argent pour te faire tomber. Nous allons voir. Nous allons voir. On verra. Tchèquoise, nous allons voir. Ce que je vais fils te faire. Du diable. Nous allons voir. Je suis prêt. Nous allons voir. Ne le remets nous allons pas voir. Après. Commençons ici. Aucun problème. Nous j'ai allons voir. J'ai assez enduré tes conneries. J'en ai assez enduré. Je n'ai pas peur de toi. Je t'attends. Espèce de fou. Je vois que la folie fait rage dans ta famille. Quel long voyage. Nous sommes arrivés maintenant. Nous sommes à la maison. Entre vite. Oh. Il a fermé la porte. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il n'a même pas laissé la clé. Hey. Maman, on va l'attendre. Viens t'asseoir ici. Laisse-le partir avec ses aventures. Il va revenir. Je nous allons l'attendre ici. Ici. Prends place. Hey. Laisse-le s'aventurer. Lorsqu'il aura fini, il va revenir. Il va nous trouver ici. Il va me trouver ici. On ne va pas bouger. Ah. Maman, ne quitte pas. Il ne tremble pas. C'est t'inquiète, quoi tout ça? Non. Je suis déjà ici. Il viendra me trouver ici. Laisse-le. Hein? En plus, il barre avec la clé. Chouma, ne suis-je pas belle? Maman, tu es trop jolie, maman. Hein? Même si ton père ne s'occupe pas de moi, je cherche l'argent pour m'acheter des vêtements. Hein? Regarde-moi. Regarde ne un suis-je peu. Pas belle? Maman, tu es toujours élégante. T'inquiète. C'est quoi ces bêtises? Lorsqu'il me trouvera de cette façon, il saura que ce n'est plus à Koudo qu'il avait connu. Oui. Maman, tu es jolie. Oh. Toutes tes démarches. Maman, tu marches bien. Oh. Tu marches bien. Je ne suis pas comme tout le monde. Je tu suis sais, pas comme Concorde. Ta chevelure avec ta démarche. Tu vois, avec ta démarche. Regarde comment tu marches. C'est comme... tu sais, ta démarche, c'est vraiment comme un singe. Tu oh. sais. Tu marches tu bien, maman. Tu as dit maman. Que je marche comme un singe. Non, tu sais, je ne dis pas que tu marches comme un singe. Tu sais, on a plusieurs sortes d'animaux. Il y a des marches de kangourous. Mm-hmm. Il y a des marches de singes et des marches de chats. Alors, si ta démarche n'est pas comme un chat, alors tu peux... Tu peux utiliser la démarche de kangourou ou tu peux utiliser la démarche du singe. Alors, ma démarche de singe est quand même bonne. Oui, tu sais, comme un singe. Je dis, pas démarche comme un chat, mais démarche comme un singe. Oui, tu marches vraiment comme un singe. Tu sais, un, deux. Tu ne m'as pas te reposer, je ne marche pas comme ça. Non, je ne dis pas que tu marches comme ça. C'est juste un exemple, hein, maman. C'est tu sais... bien, n'est-ce pas? Mais oui, maman, c'est très bien. De quoi veux-tu encore parler? Jolie avec ton make-up. Mais qu'est-ce qu'il y a? Sais-tu à combien je l'ai acheté? Je devais épargner pour l'acheter. Tu sais bien qu'il ne me donne pas l'argent juste pour acheter ces plantes. Regarde seulement avec le make-up que tu utilises. Très joli make-up. Oh. Seulement avec ton make-up, même si tu es loin, tu es toujours jolie. Et très jolie même. Et même si tu es plus près.
Tu m'en tout cas, je t'aime beaucoup parce que tu connais très bien la beauté de ta mère. Voilà pourquoi je t'aime beaucoup. Maman, oh, même fille. De loin, tu es très jolie, oh. Et maintenant, quand tu t'approches. Oh! Hmm? Chioma. Madame. Je t'ai appelée ici pour avoir ton avis au sujet de ces deux hommes. Oh oui. Il est vrai que tu travailles chez moi, mais je vois que tu es intelligente. Merci, madame. De rien. Qu'est-ce que tu peux dire à leur sujet? Tu as vu ce qui s'est passé aujourd'hui? Oui. Ils ont embarrassé mes clients comme pas possible et tout le monde est parti d'ici en débandade. Ok, madame. Tantine Concorde, je me rappelle un jour tu m'avais dit tu te marieras à un homme qui est beaucoup plus âgé que toi parce qu'ils sont tendres. Oui, je m'en souviens bien, je restais sur cette logique. D'accord. Je me rappelle aussi que tu m'avais dit que les hommes plus vieux sont matures que le jeune, parce qu'ils traitent les femmes comme des bébés. Oui, c'est ce que j'avais dit. Tous les deux sont avancés en âge, mais je pense que Chikwe a plus de l'avantage que lui. Bien, dis-le, je veux savoir si nous sommes sur la même longueur d'onde. Ok, madame. Chikwe est un divorcé. Il est très 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 humble. Et gentil. Juste imagine. La fois passée, il était venu ici, il a puisé de l'eau pour nous. Et il a fait beaucoup d'autres choses. Il te traite aussi avec beaucoup de respect. Il est toujours à ton écoute et il te gâte. C'est différent de Wakwe. Wakwe est toujours... D'ailleurs, c'est constamment qu'il fait la publicité de son argent et de ses contacts au gouvernement. Chioma. Madame. Chioma. Madame, tu vois pourquoi j'avais dit que tu es intelligente? Merci, madame. C'est exactement ce que j'ai à l'esprit. Hein? Au fait, essaie de voir un peu. Bien, Wake n'est pas correctement marié. Il est humble. Et il n'est pas aussi pauvre. Il a quand même le minimum. Il me respecte. Il me traite comme une reine. Mais ce n'est pas le cas avec Wake. Oh. Il veut juste avoir une femme pour des trafics. Une femme qu'il va commencer à exposer. Et regarde ma femme. Regarde ma belle femme. Mon intelligente de femme. Regardez sa taille. Regardez celle qui me convient. Aussi pour que je puisse l'aider avec les élections. Et c'est tout. Oui. Mais je crois si. Un enfant. Il me chérit et il me traite comme il faut. Si je me marie avec Chikwas, il me traitera comme son enfant. Chioma. Chioma. Tu vaux beaucoup. Merci. Tu es sensible. Merci. En fait, offre-toi une bouteille. Très fraîche. Ouh. Hey! Merci, madame, pas merci! Me tenir avec une bouteille. Merci! Que fais-tu ici, Akudo? Que fais-tu ici, Akudo? Réponds-moi! Je suis rentrée dans la maison de mon mari. Et qui est ton mari? Toi, bien sûr. Qui et encore? Fille à quoi? N'en déplaise à Dieu. Ça te tue toi-même. C'est pas toi et moi. J'ai déjà fini tous les arrangements par rapport à la nouvelle femme que je veux prendre. Une femme qui comprendra ma vie. Une femme qui me donnera la tranquillité dans cette maison. Papa, je te le jure, cela n'arrivera pas. Papa, cela n'arrivera jamais dans cette maison.
Tu veux épouser Concorde, ça n'arrivera jamais. Si vraiment tu étais une bonne personne, et si tu réfléchissais bien, tu allais même prendre cette jeune femme et me la donner. Comme ça, tu allais continuer ta vie avec ma mère. Parce que cette fille est encore fraîche et je suis encore frais. C'est ce que tu penses, Joseph. Joseph le rêveur. Continue à rêver, continue à te foutre dans ton rêve. Et avant que tu ne te lèves de ce rêve, tu remarqueras que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. En ce moment, ma femme sera déjà là. Je la câlinerai et jouirai de la vie de mariage. Maman, prends tes affaires. Prends tes affaires, on va entrer à la maison. Si tu... Laisse-nous tranquilles. Papa? Chepaz, ouvre la porte. Papa, ouvre cette porte. Chepaz! Chepaz, ouvre papa, la Chepaz. Porte vite. Chepaz! Chepaz, ouvre cette porte, ouvre! Chepaz! Maman, il est déjà très tard. Je dis ouvre cette porte maintenant. Viens, on va se coucher, il est très tard. Chepaz! Chepaz! Allez dormir dans la brousse. Chepaz, ouvre la porte, oh! N'importe quoi. Chepaz! Chepaz! Allez passer la nuit dans la brousse. Chepaz, je dis ouvre cette porte! Chepaz! Monsieur l'officier né de nouveau, tu essayes de me dire que toi et tes hommes ne pouvez pas me suivre pour finir avec Chekwaz, que vous refusez vraiment de faire ce que moi je vous ai demandé de faire. C'est vraiment ce que tu essayes de me dire? Honorable, je vous en prie, je suis désolé. Nous ne faisons pas ce genre d'opération. Aucun problème. Aucun problème. Je vais aller à... Comme toi et tes hommes ne pouvez pas faire ce que je vous demande. Je vais aller au quartier général de la police chercher ces gens, ces éléments. Leurs yeux sont très ouverts. Si je vais les chercher, je vais faire du tourment. Je peux amener tout un bataillon de l'armée pour finir avec Chekwaz. Alors il va arrêter de me déranger et aussi de toucher à ma chérie Concorde. Aucun problème. Restez ici. Il y a le modem. Tu peux utiliser internet comme tu veux. Je vais aller faire mes affaires. N'importe quoi. N'importe quoi. Toi, pas de problème. Ma Concorde, à un moment donné, j'avais peur que tu me quitterais pour cet homme démoniaque qui s'appelle... Je n'aime pas faire mention de son nom. Non. Tu sais... J'ai pris le temps de vous observer tous les deux. Tu m'entends? J'ai balancé. Un esprit me disait d'aller du côté de Kwake. J'ai dit non. Mehi. C'est ça la langue indienne. Je me suis penchée à toi. C'est ce qu'on a l'habitude de dire à l'Inde. Mehi. Directement, un esprit m'a dit non. Va chez Kwasi. Il va te traiter comme une reine. Comme un bébé. C'est pourquoi je suis là. Avec toi. Ne serais-je pas fou en pleurant pour ce sujet de joie? Je suis content que tu sois là aussi. Et laisse-moi te dire quelque chose. Je suis et serai toujours reconnaissant pour cette Mais cette reconnaissance simple. De côté. Je crois que tu es prêt à faire tout ce dont j'aurai besoin. Si tu n'es pas pour ça, il y a encore du temps. Je peux aller chez Kwake. Non, chez lui puisqu'il a tout l'argent à dépenser sur moi. Ne dis pas ça. Je ferai tout ce que tu veux. Même s'il faudra que j'aille dans le monde des esprits pour l'amener pour toi, juste comme Ojadele l'a fait pour son peuple, je le ferai. Qu'est-ce que tu veux aller faire dans le monde des esprits? Tu veux me tuer? Promets-moi que tu es prêt à faire tout ce que j'aurai besoin, tout ce que je te demanderai. Tu dois me faire cette promesse que tu feras tout ce que je te demanderai. Sinon, c'est comme j'avais dit avant, je vais me retourner chez Wake, puisqu'il a beaucoup d'amour et des soins à me donner, l'honorable. Concorde, je ferai tout à la mesure du possible pour toi. Comme tu me vois, j'ai de l'argent. Jusque... Je ne veux pas que les gens sachent que je suis si riche. Ce millionnaire, un secret que tu vois ici... Tu veux dire que ce carton est juste un camouflage? Ce n'est qu'un camouflage. Je ferai toutes choses pour toi. Même si tu me demandes de construire un manoir pour tes parents, je ferai ça. Pour cette raison, pour ce que tu viens de dire maintenant, laisse-moi te montrer l'amour indien.
L'amour indigne. Namasté. Tourne-toi. Es-tu sérieuse? Tourne-toi, je vais te montrer l'amour. Tantine Concorde, je vais te montrer l'amour indien. Tu as fermé les yeux. Bien fermé. C'est bien fermé. Prêt comme le tonnerre. Es-tu prêt? Je suis prêt comme le tonnerre. Es-tu prêt? Prêt comme Es-tu le tonnerre. Prêt? L'amour ouais. À la manière de l'Inde. Mouais. Ah! C'est comme tomber amoureux d'un ange. Et ça m'amène en Inde, où je chanterai « Oh, 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 bébé, ouh, chariki mina, ouh, jakatamburu, ouh, mais laisse-moi te dire quelque chose. Coucou, concon, hey, concon, concon. Qu'est-ce que tu veux dire par tu ne sais pas où elle est, hein? Honorable. Honorable, elle ne m'avait rien dit. Donc, arrête de crier sur moi comme si j'avais commis un crime. Laisse-moi te dire. Tu as commis un grand crime. Je suis vraiment fâcheux. Hein? Quelque chose me dit que Concorde est allé voir ce vieux-là de Choukwaze et a abandonné le grand honorable Ouaké comme ça, le nouveau président. Monsieur l'honorable, je ne sais pas. J'en sais rien. Oh. Ok, laisse-moi te dire. Je vais aller partout dans le village pour chercher ma chérie Concorde. Mais si elle revient ici avant moi, dis-lui que je ne suis pas venu ici pour parler. Je suis là pour l'amener au stand de voiture, où elle va choisir la voiture de son choix. Mercedes, limousine, Land Cruiser, n'importe laquelle, et je vais l'acheter. Dis-lui, j'achète des histoires pour les vendre ensuite et je fais des profits. This one will be only fine face what she gets. Get the body and the thing need to set. This girl you go make him mental for your head. You go carry on. J'ai déjà très faim, j'ai vraiment très faim. Maman, tu sais, si jusqu'à 15h papa ne revient pas ici, nous irons piller les bars de Concorde. Et si par coïncidence, maman, on voit papa là-bas, nous allons finir et montrer à cette femme ce dont on est capable. C'est tout. Bien sûr, non. Bien sûr. C'est des bêtises, hein. Cet homme ne connaît pas de quoi je suis capable. Cette maison sera chaude pour moi et n'importe quelle femme qu'il va emmener ici. J'ai dormi hier à l'extérieur juste pour me respecter moi-même. Mais pour aujourd'hui, jamais, jamais je ne le permettrai pas, peu importe ce qui va arriver. Maman, dans cette affaire, il ne faut même pas beaucoup crier. Tout ce qui m'intéresse, ce sont des actions. Je veux des actions. L'action est là. Tu la verras toi-même. S'il blague, il le verra. Je n'arrête même pas de penser à ça. Pourquoi papa fait tout ça? Je sais vraiment, pas. C'est toi qui autorises tout ça ou comment? Il ne connaît pas ma valeur. Vraiment, ne t'en fais pas, maman. Il a tout son temps, oh. Je l'attends ici. Attendons juste. Il est vraiment comme un animal. Hein? Un animal qui ne sait pas ce dont il a besoin. T'inquiète. Ma chérie Concorde, écoute, cet honorable a assez d'argent pour prendre soin de toi et même tout le village entier. Hein? J'ai assez d'argent pour prendre soin de toi. Dis seulement oui. Hein? Dis seulement oui et je vais te gâter avec l'argent. Hein? Je ne suis pas un pauvre politicien.
Hein? Moi, je suis un grand politicien. Je fais de l'argent, beaucoup d'argent. Hein? Je peux prendre soin de toi. Dis-moi oui, non? Hein? Je le savais. Mon intuition ne m'a jamais trompé. Je savais que tu venais ici. Ok, d'accord. Nous voici ensemble maintenant. Laissez-moi vous dire ce que je pense maintenant que vous êtes là tous les deux. Je suis désolée, honorable Wake. Je ne peux pas être ta femme. Oui, nous ne partageons pas la même vision. Je ne veux pas avoir quelqu'un qui va commencer à me poser de conditions. Oui, donc... désormais, je veux que tu arrêtes de venir ici m'embarrasser et arrête de déranger les gens qui sont proches de moi. Ma chérie Concorde, qu'est-ce que ce vieil homme t'a donné pour me dire ce que tu dis là? Parce que moi, je peux te donner les triples. Hein? Tu sais que je suis honorable, le potentiel gouverneur, après être le chef du gouvernement local. Et tu me rejettes comme ça. Hein? Je sais, si tu peux pas. Ok. Concorde, ma chérie, écoute-moi bien. J'achète, je vends des objets et je fais mes profits. Hein? Je fais mes profits comme je vous dis. Hein? On dit quoi de la voiture que je voulais t'acheter aujourd'hui même? Hein? Merci, c'est gentil, mais j'en ai pas besoin. Ma chérie, écoute, j'ai beaucoup d'argent, comme tu me vois là. J'ai beaucoup d'argent. Je peux prendre soin de toi. Hein? S'il te plaît, dis juste oui. Honorable, prends ton argent, va le donner à ta femme, je n'en ai pas besoin. J'ai fait mon choix. Oh, ok. Je vois bien que tu me fais une blague parce que tu veux voir ma mentalité. Hein? Écoute-moi bien. Hein? C'est bien moi l'honorable. J'achète et je vends des objets et j'ai fait mes profits. Je m'en vais mais je reviens pour que nous parlions encore. Si tu chantes la même chanson, alors je dirais que c'est comme ça. C'est moi l'honorable. Hein? L'argent et le pouvoir parlent. Hein? Hey! Tu ne sais pas ce que tu rates. Hein? Hey, Concorde. Pas de problème. Aucun problème. Et... s'il te plaît, viens de ce côté. Bouge. La dame qui exprime la beauté qui est exclusive aux anges. La seule idole que j'adore. Allons-nous. Je promets de toujours t'aimer. Et c'est ça mon vœu. Est-ce que tu peux imaginer, mon ami que je viens de voir là, il m'a dit qu'il a vraiment vu papa avec, comme je te parle comme ça, il a vraiment vu papa se bagarrer pour Concorde avec un autre homme. Quelle honte! Imagine, c'est un peu, je me suis dit, mais comment est-ce que papa peut être bête, se bagarrer pour une femme pendant qu'il est marié? Maman, il fallait voir comment il s'est bagarré, il s'est lancé comme des petits enfants. Il a frappé papa, ce qu'il touchait à sa main, papa voulait tomber comme ça. Il est allé se cacher comme ça derrière les dos de Concorde. Imagine. Allons-y ça, là-bas. N'est-ce pas il est marié? Je me démonte. N'est-ce pas il est marié? Il n'est même pas fort. Papa seulement. Chuma. Derrière les dos de Concorde. Je n'ai pas quelque chose à dire. Allons voir là-bas. Allons d'abord là-bas. Mon ami m'a dit, il faut sauver ton papa. Hein, maman? Il faut aller sauver papa. Hein? Il m'a abandonné pour suivre Concorde. Alors peu importe ce qu'il va. Live her for me, oh ma chérie mo. Concorde mo, oh ma chérie mo. Hey, maman. Give her to me. Regarde, papa. My Lord, give her to me. Voilà la vie d'un homme. Tu n'as même pas honte. Donc, c'est ce qu'il est devenu. Chekwazindo. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Bien. C'est toi que je vois là. Donc c'est toi qui me fais ça. Hein? Mais je te demande, c'est toi qui as captivé mon mari ici? Chekwasi, c'est quoi ça? Bien. Puisqu'elle veut une présentation, nous allons le faire. Cette femme ici était mon épouse. Elle est la mère de mon fils. Elle pensait que je venais te voir en secret. Elle n'a jamais su que je t'ai déjà tout dit. Je me vautrais dans l'opulence. Et on était bien. Mais quand mes affaires ne marchaient plus, elle m'a déserté, m'a abandonné. Maintenant qu'elle a vu que je suis en train de rebondir, c'est pourquoi elle est là.
Je ne veux plus ta nourriture, je n'ai pas faim. Est-ce que c'est par force, je ne veux plus? Leave her for me. Tchèquoise, c'est ce que tu as trouvé à dire? T'inquiète, je m'en fous, je t'attends à la maison. Je suis là-bas, je t'attends. Maman, c'est tout ça? T'inquiète mon chéri, concentre-toi avec la vaisselle. Merci beaucoup. Bien. Leave her for me. Oh ma chérie Mo. Il est déjà presque à la fin avec ceci. Va m'apporter plus d'assiettes. Ça se passe bien? She's cool. Ça risque de tomber dans l'eau. je le sais. She's cool. Vite, non, Choma, je veux laver toutes les assiettes. Tu t'amuses bien. I've been love for so many years now. Don't think of fooling around. Don't think of fooling around. Oh. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, je suis dans une petite confusion ici. Je vais à Enugu, mais je me suis perdu en chemin. Hein? Je voulais prendre ce raccourci, mais ça ne me conduit nulle part. S'il vous plaît, comment arriver à Enugu? Ah, monsieur, vous ne connaissez vraiment pas Enugu, hein? Vous vous trouvez à Obosi actuellement. Obokwa? Vous êtes à Obosi, monsieur. Vous prenez de faire demi-tour maintenant. Une fois que vous arriverez au port, vous devrez traverser la rivière. La rivière? C'est ça, monsieur. Je dois traverser la rivière. Hey, Concorde. Hey, ok. Aucun problème. Parle, non. Tu vois que je viens juste d'arriver. Je vais aller me reposer. Donc, dis ce que tu as à dire. Tchèquoise. Je pars. Mais attends-toi que je veux revenir. J'ai dormi dehors hier et je ne voudrais plus le faire aujourd'hui parce que j'ai une place d'où je proviens. Oh ouais. Ok, bien. Tu as une maison d'où tu viens. Hé, attends, écoute-moi. Tu as une maison d'où tu viens. J'avais entendu ça avant. J'avais entendu avant que tu ne m'aies quitté. Quand bien même tu as dit aux gens que c'est moi qui t'ai renvoyé. Pas de problème. Peu importe tes intimidations, tes tohu-bohu. Je ne suis pas intéressé parce que ça a toujours été ta manière de vivre. Tchèquoise, emmène cette femme que tu veux emmener ici. Mais lorsque tu verras son autre côté, tu viendras vite me supplier. Alors je te dirai ce que l'esprit fait avec les oreilles de chien. Oh, c'est ce que tu penses? C'est ce que tu penses? C'est mon affaire à moi. Ça ne te concerne pas. Femme à problème, tonneau vide. C'est quoi ça? Va-t'en! Concorde, ce matin j'ai amené ma mère pour te casser ta putain de gueule. Mais je ne savais pas que ma mère était peureuse. Alors je vais te rendre la tâche facile. Comme ça toute cette histoire va finir. Je vais juste avoir un deal avec toi. C'est quoi le deal? Hey, je crois que tu ne sais pas de me mettre dans le pétrin. Alors écoute-moi. C'est très nécessaire et tu vas l'apprécier. Concorde, tu es une femme très jolie. Tu es élancée. Tu es vraiment élancée et c'est ma taille préférée. Et même la couleur de ta peau, je l'apprécie. Pas de problème, je sais que tu as besoin de l'argent de mon père. Ça ne dérange pas, tu peux en avoir. Mais une fois nous sommes dans la même maison, je vais caresser tes derrières. Je vais aussi caresser tes seins. Je vais très bien prendre soin de toi. Oui, je vais très bien te faire l'amour à la manière des Indiens, que c'est sexy. Voilà, c'est tout ce dont j'ai besoin. Concorde! Concorde! Oh, tu n'as rien dit, tu n'as fait que... Hey, Concorde, une fois que tu me laisses te faire, tu ne vas plus faire... Attends, tu vas voir. Allô? Allô? Ojaï qui est mon partenaire politique. Oui. Tu sais, je suis allé voir cette... Tantine Concorde, cette femme qui a une grande beauté là. Je t'avais dit ça, non? Mon frère, cette fille m'a dit quelque chose qui m'a troublé et j'ai même perdu mon chemin hier. Hein? J'ai même dû passer nuit dans un hôtel. Oui, mais j'arrive déjà, j'arrive. Ibeko peut commencer cette réunion. Oui, dis-leur de donner. L'argent n'est pas un problème, qu'ils fassent ce qu'ils doivent faire seulement. Ça, c'est l'honorable qui parle, hein? C'est l'honorable qui parle, le futur président. L'argent n'est pas mon problème. Oui, commencez déjà, je viendrai vous rejoindre. Je suis en route, j'arrive déjà.
Oui. S'il te plaît, laisse-moi un peu me concentrer. Sinon, je vais encore me perdre en route. S'il te plaît, merci, merci. Ah, Ojaike, je sais que tu peux les gérer. Oh, waouh. Premièrement, nous devons nous présenter. Après, je veux commencer à vivre avec toi et donc ta femme. Hein? Et si tout marche bien avec nous deux, nous ferons le Ibanko et le mariage à l'européenne le même jour. Enfin, fermez ces chapitres. Oh mon Dieu. Pas de problème. Je t'assure que tout marchera bien. Je bénis le jour où je me réveillerai dans ma chambre et verrai cette fille d'Ève dans mes seins. Je serai l'homme le plus heureux sur la terre. C'est pour ton propre bénéfice, au fait. Ouais. Je ne fais que t'aider. Ouais, tu as raison. Ouais, c'est pour mon propre bien, je le sais. Quel est ce mot que tu emploies souvent? Namasté. Namasté. Tu as dit que ton oncle voudrait nous voir ce soir? Oui, il nous attend. Ma mère a déjà donné son consentement. Oui, elle était supposée être ici, mais son nouveau mari lui a interdit de venir au village. Mais très bientôt, avant le mariage, elle sera déjà là. Oui. Vraiment? Elle sera là. Je remercie Dieu. Quel encore ce mot-là? Namasta. Arrête-toi là. Regarde un peu comment tu marches, on dirait on te bouscule. Qu'est-ce que c'est? Tcho, ma fils de Tchékoas, qu'est-ce que c'est? Calme-toi. Qu'est-ce que j'ai dit et tu cries comme ça? Ma chérie, il y a un proverbe qui dit: si le désirable n'est pas disponible, le disponible deviendra désirable. Ça veut dire? Ça veut dire que depuis que ta sœur, c'est-à-dire ta tante Concorde, ne m'a pas permis de bien prendre soin d'elle, ne m'a pas permis de bâtir notre amour à Jérusalem. Tu vois, je pense maintenant que toi et moi, on peut sortir ensemble. Je t'aime et tu m'aimes aussi. Je veux vivre avec toi comme ma femme, tu vois. Je veux même t'épouser. Qu'est-ce que tu en dis? Tu sais ce que tu es? Tu es un rêveur. Et c'est jusqu'à ce que tu vas te réveiller pour réaliser que tu étais dans un rêve. C'est là que tu vas te rendre à l'évidence. Vraiment? Oui, vraiment. Je veux dire... Tim, tu n'es pas mon genre. Regarde-toi un peu. Écoute, c'est juste comme ma tantine Concorde. Elle a des grands rêves, moi aussi. Je ne sors pas avec des désespérés comme toi. Attends, Tchoma. Oh, donc, toi, tu oses me dire que je suis un désespéré? Donc, il n'y a pas d'autre mot, seulement désespéré. Elle m'a manqué du respect, oh. Moi, un désespéré. Quelle bêtise. Hein? Tchoma, écoute, je vais t'éprouver. Tu m'entends? Je vais t'éprouver. Ah, cette fille, j'essaie de te demander l'amour et tu dis que je suis désespéré. C'est pas grave. Eh bien, il n'y a vraiment aucun problème. J'informerai mes collègues anciens et nous allons tous nous assembler ici pour le premier pas. Et les autres choses vont suivre selon la tradition de notre peuple. Onyezomenka, laisse-moi le dire. Merci mille fois. Mille fois merci. Écoute. Sois rassuré que je prendrai bien soin de ta nièce. Au point où, lorsque vous la verrez, vous me diriez: oh beau, tu as bien fait. Beau, félicitations. Franchement, l'amour de Concorde m'a aveuglé au point où je ne vois plus aucune fille dans cette communauté. Son amour est une solution à tout problème que j'ai. Ah, bien sûr, elle le sait.
Vraiment? Elle le sait et elle l'apprécie. Et bien sûr, nous devons respecter son choix d'un homme plus âgé. Hein? Et c'est pas nous qui allons t'épouser et rester avec toi. C'est elle. Donc, quant à ce qui me concerne, tu n'as aucun problème. Omenka Odogo. Oh, il n'y a aucun Omenka. Problème. Omenka. Oyeze. Okike. Donc, elle m'a accepté comme ça. Juste comme ça. Juste comme ça. Tout ira bien. Tout ira bien. Tel que je le vois. Ramène-moi ce pain. Ramène le pain. Donne-moi ce pain. Où est-il? Laisse-moi. Reviens ici. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais te tirer dessus. Remets-moi le pain. Je te donne pas. Remets mon pain. Tire-moi dessus. Je vais te tirer dessus. Tire-moi dessus. Remets ce pain. Oh seulement, je ne te donne pas. Je ne te donne pas. Allez, remets. Je ne te donne pas. Pourquoi tu ne me donnes pas? Pourquoi tu ne me laisses pas faire du thé? Pourquoi tu ne me laisses pas faire du thé? Est-ce son argent? N'est-ce pas c'est l'argent de mon père? N'est-ce pas c'est l'argent de mon père? Je ne te donne rien. Je ne te donne rien du tout. Sinon, tu vas faire quoi? Remets. Sinon, tu vas faire quoi? Je ne te donne rien. Je ne te donne rien du tout. Ça devient de la blague. Regarde, papa, tu vois. Tu crois que je blague, hein? Remets-moi ces pains. Encore. Viens, s'il te plaît. Laisse-moi faire. Tu vas vraiment me tuer. Je vais me tuer juste à cause de pain. S'il te plaît. Non, non, je t'en supplie. Je t'en supplie, s'il te plaît. S'il te plaît. Pas encore quoi? S'il te plaît, je t'en supplie. Il retient mon pain. Ne vois-tu pas? Écoute, si tu ne veux pas nous laisser, moi et ma femme, jouir de notre mariage dans cette maison. Je jure, je te réunirai et t'enverrai en exil. Papa, c'est toi seul qui iras en exil, oh. C'est toi que je vais envoyer en exil maintenant. Depuis que ma mère a quitté, la dernière fois qu'elle vivait ici, c'était quand on a pris du thé? Non, dis-moi, c'était quand la dernière fois on a pris du thé? Seulement quand cette petite fille est arrivée, tu lui donnes tout. Elle peut tout commander. Elle commande même des pizzas. Elle commande même du thé. Tout ce qui va avec. Ce qui m'énerve le plus, elle commande des œufs. Et elle ne me donne même pas. Ce sont des bêtises tout ça. Laisse-moi. Ne regarde pas cet idiot, s'il te plaît. Laisse-moi le regarder, cet idiot, s'il te plaît. C'est moi qui te supplie. Regarde-toi, tu vois ce que tu vois ce que tu as causé. Tu te vois. Laisse-moi lui donner sa leçon, s'il te plaît. Laisse-moi, ne touche pas. Écoute-moi très bien, hein? Ouais. Non, c'est pas blaguer avec moi, oh. Je ne suis pas une blagueuse. Pardon. On ne blague pas avec moi. C'est moi la tontine Concorde, la seule à ça qui est arrivée à l'Inde. J'ai expérimenté le vécu indien. Et arrivée ici, cette petite souris. Ose m'insulter. Je vais déjeuner avec l'omelette. Il a fait avec mon pain. Pourquoi faire? Qui a engendré le chien? Tu me prends pour qui? Écoute. Qui a engendré le chien? Écoute, écoute-moi bien. Peu importe comment tu le qualifies, n'est-ce pas qu'il est ton fils? Avertis-le. Avertis-le. Je vais les tirer à bout portant. S'il te plaît. Je vais les tuer vifs. Quand je vais faire mes bagages, je rentre chez moi. Non, 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 encore. Non, s'il te plaît, regarde-moi. Non, je suis là. Hein? S'il te plaît. S'il te plaît, si tu m'abandonnes, je mourrai. Si tu m'abandonnes maintenant, donc c'est ma mort, ça. Alors tout ce que tu veux que je fasse, je le ferai. Hein? Papa, tu t'agenouilles devant cette petite fille. Ah, je vois que tu es envoûté. Qui je vois que vraiment tu es envoûté. Moi, petite fille. Moi. Moi, petite papa, fille. Papa, ne la laisse pas. Hein? Papa, papa. Hein? Laisse-le, je vais le gérer. Hein? Je vais le gérer moi-même. Rassure-toi d'en finir papa, avec arrête tout ça. Oh. Papa, si tu oses me taper, papa, tu vas le regretter. Gère-le papa. Est-ce que tu vas? Gère-le bien. Je tu dois bien le gérer. Sinon. N'importe quoi. Moi, petite fille, c'est ta mère qui est une petite fille. Écoute, messieurs, nous venons à peine de mettre le boisson dans le frigo. La nourriture aussi n'est pas encore prête. Tu ferais mieux de partir et de revenir plus tard. Pas question, Tioma. Pas question. Hein? Moi, je suis venu ici. Je peux pas partir. Venir ici, c'est devenu un problème. Hein? Vas-y, dis-moi un peu. Pourquoi énerver les gens les matins comme ça? Hein? J'ai normalement l'habitude de venir boire ici. Parce que j'aime bien observer la beauté de la tantine Concorde, ma chère. Oh, je te dis. Aussi longtemps que Concorde sera toujours dans la maison de Tchékoise, fils de Okorigwe, je vais être en train de t'observer. Je vais être en train de t'observer. Qu'il y ait de la nourriture ou pas, qu'il y ait de la boisson ou pas. Il y a quelque chose de plus important que la nourriture et la boisson, et c'est toi. Ah, ok. Donc, cela veut dire que tu es là pour m'aider à faire le ménage? Avec plaisir. Envoie-moi. Tcho, tcho, tcho. Cela veut dire, je serai en train de faire trois choses au même moment. Hmm? Mes mains pourront laver les assiettes. Ma bouche ne cessera de te faire des compliments et mes yeux seront toujours fixés sur toi. Hmm? Oui. Ah.
Dans ce cas, tu vas commencer d'abord là-bas. Hein, avec ton magnifique visage, ta magnifique poitrine ainsi que tes magnifiques yeux, hein? Allons-y. Et ton jeu de PlayStation. Oui, ton jeu de PlayStation. Aide-moi avec je ça. Je vais le porter, je veux le porter, allons, t'en pardon. Fais pas. Et même tout ce que tu as là derrière. Ne sois pas étonné, non? Bon, dis-moi, je commence par quoi maintenant, hein? Bien, ok, vas-y, passe-moi les assiettes. Donne-moi du savon aussi. Tiens. Cancan, la nourriture est prête. Tiens. Cancan. Namasté. Namasté. Je veux que tu me nourrisses à la manière de l'amour indien. Ne serais-je pas stupide pour dire non à ce que j'ai le plaisir de faire? Ah, oh, c'est très délicieux. Tu as une très bonne main. Merci. Je souhaite que tu le fasses pour la deuxième fois. D'accord. Oh, l'amour en manifestation. Non mais papa, c'est quoi toutes ces bêtises papa? Non mais papa, pourquoi est-ce que tu permets à cette fille? Très délicieux. Papa, pourquoi tu permets à cette fille de te traiter comme ça? Pourquoi tu le permets? Le poulet. Donc papa doit te faire manger. D'ailleurs, donne-moi ça. Écoute Concorde, faut faire attention. Fais attention de comment tu traites mon père. D'abord tu as chassé ma mère et puis te voilà en train de traiter mon père. Papa, pourquoi tu permets que tout ça arrive, non papa? En quoi ça te concerne? Cette fille n'est qu'une petite femme. Hein? Remets-moi la nourriture. Je ne te donne pas. Remets la nourriture. Je ne te donne pas. Remets-moi cette sinon quoi? Je vais le gérer moi-même. Remets-le moi. Je vais m'occuper de lui moi-même. Gérer quoi? Ne t'inquiète pas. Papa, tu ne peux pas te laisser faire. Dis ta dernière prière. Je n'apprécie pas ce que tu fais. J'ai la chance de dire. Je n'apprécie pas ce que tu fais, papa. Dis ta dernière prière. Regarde-moi cette femme, espèce de sorcière. Papa. Tu mens. Papa, arrête ce que tu fais. Papa. Tu mens. Déjà, tu es fatigué. Dis ta dernière prière. Papa, arrête ce que tu fais. Chouma. Viens ici, Chouma. Qu'est-ce qu'il y a? Chouma. Maman. Chouma. Maman, laisse-moi pleurer. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, laisse-moi pleurer. Qu'est-ce qu'il y a? Concorde m'a frappé à la tête, maman. Concorde m'a frappé à la tête. Qu'est-ce qui est arrivé? Maman, Concorde. Elle t'a Concorde. Fait ça? Les deux, avec papa. Ils m'ont frappé. Est-elle folle? Je peux tout supporter. Mais attaquer mon fils, non, je ne le permettrai pas. J'arrive. Je reviens, Chouma. Maman, je n'ai rien fait. Concorde m'a frappé à la maison de mon allez, père. Allez, lève-toi. Vite, allons-y. Dépêche-toi, suis-moi. Allons-y. Viens, on va partir. Allez. Ça, c'est la guerre. Concorde m'a frappé, c'est la guerre. Je suis là. Concorde, sors d'ici. Concorde, viens. Concorde, sors! Tchèquoise! Viens ici, sors ici! Viens! Pourquoi tu cries comme c'est un toi-même, Tchèquoise! C'est toi-même! Tchèquoise, c'est toi-même! Maman, laisse-moi c'est la dire. Guerre! Où est d'abord? C'était Concorde, elle est où? Où est Concorde? Hein? Tu crées pas de problème. Sors ici, Concorde, viens maman, ici! Maman, c'est la guerre! Approche-toi ici! Es-tu folle? Hein? Comment oses-tu? Appelle-moi avec beaucoup de respect, je suis de l'Inde. À qui tu parles? Tu le sais, t'es à l'aéroport. Appelle-moi avec beaucoup de respect. Quel respect? Dame Concorde. Tiens quoi, c'est la ferme. Concorde. Comment oses-tu? Tu as cassé la tête de mon fils. Pourquoi l'as-tu fait? Hein, Concorde? Si tu es une femme, Concorde, allez, viens ici. Descends dans ces cercles. Ces menaces. Viens ici. Concorde, viens si tu es une femme. Viens ici. Maman, viens. Il faut l'attaquer. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous sommes ici pour la violence. Viens ici, Concorde. S'il te plaît. Si tu es vraiment une femme, descends ici. Si tu étais une femme sensée,
Tu aurais dû demander à ton stupide fils ce qu'il a fait. Je m'en... Qu'il dise son offense au lieu de commencer à parler comme une radio qui n'a plus de batterie. Tu parles de sottise. Maman, ça c'est la guerre. Je m'en fous. Je ne le permettrai pas. Non, non. Tu dois t'en soucier. Et puis aussi faire quel est ce mot qu'elle a employé. J'ai déjà parlé. Et tu m'as bien entendu. Écoute, si tu fais cette erreur en lui parlant n'importe comment, la dame de l'Inde, tu vas te retrouver dans l'endroit le plus profond de la cellule. Je passe, arrête et quitte. Je ne suis pas ici pour toi. Je suis ici pour elle. Et concorde. Les insultes qu'il me donne juste parce que je me suis mariée avec toi. Je suis désolé, très désolé. Cette femme de basse classe qui n'a jamais été à l'aéroport ose parler à la tontine Concorde Onyoma, la plus fraîche, la seule de sa tribu qui est allée jusqu'à l'Inde. Elle ose tourner sur moi. D'ailleurs, Concorde, descends ici. Maman, il faut en finir. Relax. J'ai dit descends ici si tu es une femme. Concorde, tu m'as entendu? Viens ici, tu es une femme, descends. Viens. Hé, Concorde, si tu es une femme, descends ici. Je t'attends, descends ici. Tu ne vas rien me faire. Oh, imbécile. Hein? Regarde-moi cette folle de femme. Tu sais quoi? Tais-toi. Tu ne vas rien faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu peux me faire? Pas seulement cette île-là, non? Tu ne vas rien me faire, Concorde. Tu ne me feras rien du tout, je te dis. Je te préviens. Hey! Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Maman, attends un peu. Nous sommes de même côté. Maman, quoi? Maman? Maman, je suis désolé, maman. Je suis désolé, maman. Je suis désolé. Je suis désolé, maman. Je suis désolé, maman. Pourquoi tu dois être désolé? Non, je suis désolé. Tu es désolé pourquoi? Excuse-moi. Tu es désolé pourquoi? Excuse-moi. S'il te plaît, pas ça. Je suis désolé, maman. Vas-tu le faire? Je suis désolé. Tu vas le faire? Vas-tu encore? Non, maman. Tu vas encore le faire? Non, je le ferai plus. Tu le feras plus. Non, je le ferai plus. Tu le feras plus, hein? Non. Allez, va-t'en. Va-t'en. Pars. Idiot. Fou. Concorde, je t'ai dit que je suis en contrôle. Je suis en charge. Tu es au contrôle. Tu as vu? C'est comme ça qu'on prend le contrôle des choses. Hein? C'est comme ça. Ferme ta bouche. Tu vas m'énerver. Tu es au contrôle. Ta stupide femme vient ici pour m'insulter. Ferme-la. Multipliez-moi. Hein? Sais-tu combien ça coûte pour aller à l'Inde? N'essaie pas de me ramener à votre rang. Ta stupide femme ose venir ici. Mais rabaisser, moi, ton signe Concorde. Hein? Tu sais quoi? Je m'en vais. Hey! Non, jamais. Concorde, non. Je m'en vais. Ne me fais pas ça. Je m'en vais. Ne me fais pas ça, s'il te plaît, je t'en supplie. Oh. Écoute, je sais que les excuses ne seront pas nécessaires. Je reconnais les actions et comportements stupides de mon garçon. J'accepte les reproches. Tout ce que tu veux que je fasse pour toi, je le ferai pour calmer ta colère, s'il te plaît. Concorde. Hey, arrête avec cette stupidité. Écoute, la seule chose qui peut me calmer maintenant, tel que je suis ici, c'est le film indien. Les chants indiens. Et c'est tout. Va me trouver les chansons et le film indien. C'est la seule chose qui peut me calmer. Déjà fait. Maintenant, sinon, je change d'avis. Ok. Je me souviens maintenant de certaines de tes chansons préférées. Et il y a celle-ci que tu aimes tellement. Kinibini gamini kina, kinibini ni jambini kina, kinibini jam. Nehi, le film indien, va dehors me le trouver. Pas de problème, tout ce qui va te rendre heureuse, je le ferai. Ah. Hélène, au secours. Choma. Ok, tu as peur. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ok, recule. Pourquoi tu as... Recule, ne t'approche pas de moi. Recule, ne t'approche pas. Recule, ne t'approche pas de moi, je dis. Recule. Écoute, laisse-moi te dire. Ça, c'est juste le début, Choma. Ça, c'est juste le début. Et la prochaine fois, quand je viendrai avec toutes mes armes possibles. Et surtout avec ma plus grande bombe. C'est quoi toutes ces bêtises?
si tu ne demandes pas à ta tante Concorde de quitter ma maison, vous allez voir. Donc c'est pour ça que tu as chassé mes clients juste comme ça? Je te parle, toi tu essaies de réagir. Je vais te gifler, regarde-moi ça. Je t'ai autorisé de parler, regarde-moi ça. Idiote. Écoute ce que je te dis maintenant. Préviens ta sœur. Préviens ta tante. Tu me comprends? Hein? Ça c'est juste le début. La vraie guerre arrive. Ne pense pas que ce que je dis, ce sont des comédies. Hein? La prochaine fois quand je parle, toi tu t'étais. Si je parle, tu réagis, tu auras ça. Moi je parle et toi tu parles aussi. Idiote, tu veux que je te tape? Je vais vous taper l'une après l'autre. Je crois qu'on s'est bien compris, hein? Ok. J'imagine même pas ce que tu fais, ne reviens plus ici. Arrête avec ces bêtises. Arrête. S'il te plaît. Libère ma route, je n'ai pas le temps pour ça, je vais te pousser. S'il te plaît. Je vais te faire tomber. C'est mieux même que tu me pousses. Et je sais que c'est toi qui m'as poussé. Et même si je meurs, je ne vais pas le regretter parce que c'est que c'est con. Tu crois que je blague? Tu crois que c'est de la blague? Je ne plaisante pas non plus. Tu crois que je joue, c'est hein? C'est mieux que je meure dans tes mains. Écoute, Concorde, à cause de toi, je ne vais plus être le président municipal. Concorde, je n'attends même plus les cultes matinaux. Je ne vais plus aux réunions du village. Ce que font les autres hommes, j'ai décidé de ne pas le faire. Simplement parce que je veux être avec toi et prendre soin de toi. S'il te plaît. Namassé. S'il te plaît. Du fond de mon cœur. S'il te plaît. Je vais te pardonner. En deux conditions. Hey, dis les conditions. Je suis prêt à m'y conformer. Promets-moi que tu vas enfermer ton fils et ta stupide femme. Sinon, si tu ne le fais pas, je vais faire mes bagages pour aller vivre avec l'honorable Wake et profiter de son argent. S'il te plaît, ne mentionne pas Mbako ici. Combien ça va me coûter de les enfermer? Je les enfermerai même trois fois. S'il te plaît. Merci. Retourne beaucoup. Mes bagages dans la chambre. Merci beaucoup. Dieu merci. Maman, franchement, tu m'as déçu. Non, franchement, il ne faut pas le faire. Juste un seul coup. Ouh, tu es tombé. Vraiment, tu m'as déçu. Quand on parle de... Quand on dit la guerre, c'est la guerre. Tu dois te préparer, tu dois être prête. Tu me comprends? Ce n'est pas pendant une petite bataille comme ça, avec Concorde, que tu vas me décevoir. Chuma, mon fils, tu ne vas pas comprendre. Non, arrête ça, maman. Écoute. Je ne sais pas ce qui m'était arrivé lorsque j'avais regardé Concorde droit aux yeux. Honnêtement, je m'étais senti malade. Mais maintenant, ça va. T'inquiète, ça va. Non, maman, non. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. Pendant que je te parle, est-ce que tu sais les désordres que j'ai créés dans l'herbe? Tu le sais? Je sais, ils ont tous fui. Ils avaient peur de moi. Moi, rebelle. Maman, tu sais quoi? Ne t'en fais pas. Ok. Les rebelles ne parlent pas beaucoup. Maman, cette guerre est ma guerre. Non, maman, cette guerre est ma guerre. Ne t'en fais pas. Mm-hmm. Je vais les combattre moi seul. Bah. Elle veut blaguer avec un rebelle comme moi. Bah. Un rebelle comme moi. Bah. Concorde va subir. Sa sœur va subir. Toute la famille, elles vont subir. Chuma, s'il te plaît. Toi, sois calme. Chuma, elle va me sentir, ses filles. Fils, oh, Dieu seul sait, mon fils. Reviens d'abord, écoute-moi. Laisse Concorde, Dieu seul sait, oh. Hein, Chuma? Reviens, oh! Cette fille va te tuer, oh! Papa, ouvre la porte! Papa, oh donc, ça veut dire quoi? Tu me laisses dehors parce que Concorde est là. Non, mais papa, c'est ça que tu es en train de me dire? C'est dans notre propre maison que tu dors avec Concorde. Et tu te permets de fermer la porte parce que Concorde est là. Papa, papa, écoute, je ne veux pas de problème. Je suis venu en paix, je suis venu pour me coucher. Je ne veux pas réagir. Cette nuit, je ne veux pas de problème. Papa, si tu as besoin de problème, attends, tu en auras. Comme tu as besoin de problème, attends, tu verras. Papa, ouvre la porte. Concorde. D'accord alors, pas de problème. Dormez bien, hein? Vous n'allez pas dormir en paix dans cette maison. Papa, vous n'allez pas dormir en paix. Papa, ouvre cette porte. Papa, dormez alors, je vais voir. Papa, dormez alors.
Papa, ouvre cette porte. Sinon, vous n'allez pas dormir. Papa. Tchekwas. Papa, je vous préviens, vous n'allez pas dormir. Vous n'allez pas dormir. Ouvre cette porte, papa. En réalité, j'ai donné à la police beaucoup d'argent. Même au commissaire, j'ai donné de l'argent. Et ils m'ont promis que mon fils et sa mère demeureront dans la cellule. Vraiment? Concorde. Concorde. Ouvre cette porte. Ah, papa, arrêtez ça, non? Ouvre cette porte. Je vois. Dormez alors, je vais voir. Ouvre cette porte, papa. Ouvre cette porte, papa. En réalité, veut dire en vérité. Réellement? Pas de problème. Merci beaucoup. Merci de m'avoir compris. Hein? Pas de problème, je sais ce que je ferai. Je vais réellement aller chez Wake et rester avec lui. Non. S'il te plaît, comprends-moi. Que je te comprenne? En réalité, j'ai fait de mon mieux. Que je te comprenne avec tout ce que tu racontes? Que je te comprenne? Il n'y a pas de problème pour l'instant. J'ai vu dans la maison de Wake. S'il te plaît. On verra bien. S'il te plaît, comprends-moi, s'il te plaît. Tu veux que je te comprenne quoi? S'il te plaît. Comprends de quoi? S'il te plaît. Je vais chez Wake. S'il te plaît. Désolé, s'il te plaît, s'il te plaît. Quoi? Pincha mininia, rosso marani, saramane mininia, rosé. Jiribiri bayara kareo, zamajana parasa, yeo. Zamikini zenderide, migiki zenderide, uroye, marakuraye, zani, onepume, zani. Papa! Ouvrez la porte, sinon je vais brûler cette maison. Je vous le jure, je vais faire écrouler cette maison, papa. Je vais brûler cette maison. Je risque de tout casser, papa. Ouvre cette porte. Ouvre cette porte, papa. Ok. Papa. Papa. Ok. Ah, ok, d'accord. Attendez, vous allez voir. Attendez. Vous voulez pas ouvrir cette porte? Attendez. Papa. Papa, papa, ouvre cette porte, oh. Papa, ouvre cette porte, sinon ce que je dis, je le ferai. Papa, mes nerfs sont déjà tendus, ouvre cette porte. Mon Dieu, où est mon véhicule? Chuma, Chuma, Chukuma. Bien sûr que je l'ai vendu. Qui a maintenant gagné, n'est-ce pas moi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que je viens de dire. Papa, après m'avoir laissé avec cette cicatrice, tu me demandes ta voiture. Papa, j'ai vendu ta voiture. J'ai vendu ta voiture et j'ai utilisé l'argent pour acheter tout ce dont tu n'achètes pas pour ma mère. J'ai tout acheté pour elle. Tu as vendu mon rouge Concorde, le véhicule que j'apprécie plus que toute chose. Papa, tout ce que tu dois ne me concerne pas. Je vais encore voir où tu seras arrogant avec ta voiture. Je te jure, si je tombe encore une fois sur tes documents, papa, comme ça... Pam, tes dossiers, tous tes biens et toutes tes propriétés et même cette parcelle, je vais déjà la mettre en vente. Depuis que tu as accepté d'être esclave de Concorde, moi, je ne peux pas être esclave. C'est quelle bêtise ça? Okay. Tu ne me connais pas assez. Nkege Abusikonuna, c'est fini pour toi dans cette maison. Parce que dorénavant, je vais demander le service du commissaire de police qui, sous ordre, s'assurera que vous soyez mis sous garde, toi et ta mère. Ou toute chose qui ressemble à toi et à ta mère soit mise sous garde. Papa, tu peux faire tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Papa, je ne bouge pas d'ici. À cause de ce que tu viens de faire, je vais te surprendre. Je vais acheter une nouvelle voiture aujourd'hui. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Quel genre d'individu es-tu? J'ai vendu ta putain de voiture. Papa. Ne l'appelle pas Golf, c'est Concorde. Quelle voiture en or? Tu achètes une voiture qui n'a même pas de nom. Il est écrit dessus Golf. Une voiture qui n'a pas de nom, Golf. Papa, écoute. Ok, papa, maintenant que j'ai vendu ta voiture, tu vas faire quoi? Eh, papa. Concorde, c'est ça la marque de mon véhicule. C'est ça, sa marque. La voiture de Concorde, c'est le nom de ta voiture. Tu achètes une voiture qui n'a même pas de nom. Papa, si tu ne fais pas attention, je vais te taper. Ça ne t'arrange pas que j'ai vendu ta voiture? Tu vas encore m'énerver. Idiot. C'est quelle bêtise, ça? Après m'avoir donné cette cicatrice, tu es là? En train de regretter ta voiture. Quoi? Le table cassé? Tu dis que tu ne sais pas la personne qui a fait ça, Thioma? Tantine, après avoir arrangé ces lieux, j'étais partie à la maison pour arranger là-bas aussi. Mais en revenant, j'ai trouvé ces lieux comme ça.
Je suspecte Chomaski, le fils de ton mari. Arrête-toi là. Hein? C'est quoi ça? Quel mari? Hein? Désolée. Il n'est pas encore mon mari jusqu'à ce qu'il finisse avec tout le processus de mariage. Et à la louvre, les choses, j'ai doute que ça marche. Oui, considérons tous les obstacles, particulièrement ses stupides fils. Hier, on a passé une nuit d'erreur à cause de ces stupides garçons. À notre réveil le matin, il a vendu le véhicule de son père. Imagine, maintenant que je te parle, personne ne sait où il est. Et tu l'appelles mon mari? Tantine, ce garçon est dangereux. Oh. Il est très dangereux. Oui. Qui est dangereux? Chomaski? Oui. Comment? Parce que je cohabite avec lui. Je serai l'antidote de ses bêtises. T'inquiète. Il est dangereux. Moi de même, je le suis. Tu sais ce qu'il faut faire? Arrange cet endroit, mets tout en place. Je vais chez sa mère. Certainement, il doit être là. D'accord, madame. Dangereux? Sois prudente. Qui est dangereux? Cette petite souris. On verra, moi et lui. T'inquiète. Je vais le gérer. Oui. Akudo. Oui. Tu dis oui. Qu'est-ce qu'il y a? Encore toi? Encore toi? Tu viens me battre dans la maison de mon père? Tu n'oseras pas. Je suis sûre que tu ne t'oseras pas parce que si tu oses, je te montrerai ce que tu n'as jamais vu. Moi, te battre dans la maison de ton père. Si je te donne juste un coup indien, tu vas t'évanouir. Je suis venue te dire d'avertir ton stupide de fils. Weboko Mitin. Je me suis préparée pour lui. Si tu ne le fais pas, je vais le transformer en sel et il va disparaître. Oui. Tu te trompes. C'est vraiment faux. Tu ne sauras rien faire. Si tu oses, je te donnerai la violence. Je t'ai déjà dit ça. Pour qui te prends-tu même? Regarde-toi. Est-ce parce que je me tais souvent? Hein, qui es-tu? Et qu'est-ce que tu peux faire? Écoute, je vois que tu n'as jamais vu ma folie. Mais attends, je pars m'apprêter pour toi. Je te montrerai de quoi je suis capable. Si tu ne te corriges pas, et je vais le commencer même maintenant. N'importe quoi, ça veut dire quoi? C'est évident que tu ne me connais pas. Puisque tu demandes qui suis-je, oui. Qu'est-ce que je peux faire? Oui, oui, oui. Il n'y a que la seule, oui. Tantine Concorde, oui. Onyoma. Pinon, moi. Hein? La plus belle, la seule Assa qui a voyagé jusqu'à l'Inde, qui a expérimenté les vécus indiens. Et tu oses me demander, qui es-tu? Enfin, je n'ai pas le temps de faire les échanges de paroles avec les gens de basse classe comme toi. C'est comme je l'ai dit avant. Avertis ton fils. Mon Dieu. Sinon, je le ferai disparaître. Je ne vais plus me... Il n'y a rien. Tu ne sauras rien me faire. Regardez-moi cette imbécile de fille. Tu ne sauras rien me faire. Franchement, je te dis, si tu oses faire quelque chose, je te montrerai de quoi je suis capable. Je te montrerai la violence à tout prix. Elle a aussi le courage de venir ici. N'importe quoi. Je ne peux pas supporter ces bêtises. Ah, Chuma. Maman. Hein? Ah, mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est à moi de te demander qu'est-ce que tu fais ici. Peu importe, cette fille imbécile, cette stupide des maris d'autrui est venue me battre dans la maison de mon père. T'encorde. Franchement, cette fille n'a pas peur. Pas du tout. Ce qui me dit à finir ses problèmes avec cette fille, c'est seulement Njideka. Voilà pourquoi je suis venue ici. Oh, donc tu es ici aussi pour Njideka? Oui, très bien, très bien. Et je suis là aussi, juste pour elle. Bien. Elle m'a dit, elle s'est mise en colère. Quand je lui parle de ça, elle s'est mise en colère. Ah. Elle est très en colère. Elle m'a demandé d'attendre. Elle arrive. Elle est allée s'habiller. Maman, ne t'en fais pas. Attends, ça sera la guerre. C'est avec Chima que tu connais. Alors nous devons nous battre et gagner cette bataille. Tu comprends? Sais-tu l'ami de ton père, Monsieur Odou? Il me l'a confirmé. Il m'a dit que ton père est toujours payé chaque fin du mois. Un montant de 2 millions. Mais nous souffrons. 2 millions? Je te dis. Je dis même millions de naira. Maman, on ne peut pas se laisser faire. Pas du tout. On ne peut pas accepter de souffrir. Mon cher. On ne peut pas accepter de souffrir, maman. Ça, ce qui me fait fils. Le plus mal, c'est quand elle traite mon père comme un esclave.
Et par conséquent, papa me traite comme un enfant dans la rue. Imagine. Maman, tu sais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est la guerre. C'est la guerre. Maman, c'est la guerre. On va leur montrer de quoi nous sommes capables. Honnêtement. Maman. Oui. On va leur montrer. Nous allons leur montrer. Maman, on va leur montrer. Nous allons leur montrer. On va leur montrer. Nous allons leur montrer. C'est la guerre. La guerre. Attendez. Nous devons leur montrer. Maman, on va leur montrer. Jide, ma fille, je vois que tu es prête pour le combat. Tu vois, nous partons déjà en guerre. Nous allons leur montrer. N'est-ce pas ce que tu as dit, Chuma? Bien sûr, maman. Bien sûr, maman. Chuma, as-tu peur? Est-ce que moi j'ai peur? Mais est-ce allons-y que moi alors. J'ai peur? Allons-y, dans la guerre. Oh, Chuma, fais vite. Avance. Partons. Faut maman, pas on va leur montrer. Oui. Montrer, montrer. Nous leur montrer. Maman, on va leur montrer. Nous leur montrer. Montrer, on va leur montrer. Montrer, ah, montrer. Oui. Je l'avais supporté auparavant. Assez, c'est assez. J'en ai marre. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. N'est-ce pas Tchékoise? Tchékoise! 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 Maman, papa a encore acheté une voiture pour Concorde. Hey! T'inquiète pas. On va s'apprêter pour en finir avec eux. Ça va aller. Hein? Relax. Njide, Njideka, s'il te plaît, tu es le seul espoir que j'ai. Le seul espoir que j'ai pour m'aider à me venger contre cette méchante, cette fille qui n'a pas de conscience. Cette fille n'a pas de conscience. Je ne comprends pas, papa. Maman, écoute, apaise-toi. Hein? N'est-ce apaise-toi. Pas que tu es ma tontine? Tu n'es plus ma tontine? Aide-moi. T'inquiète pas, allons-y. Allons-y. Hein? Allons-y. Cette fille verra de quoi nous sommes capables. Ne te dérange pas. Calme-toi. Elle calme-toi, en aura maman. Vraiment. Elle en aura assez. Njideka, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui va m'aider dans cette guerre. Il n'y a que toi, Njideka. Il n'y a que toi qui va m'aider dans cette bataille. Hey! Where she get? She get the body, anything need to set. This girl, you go make it mental for your head. You go carry on my taboo down for your head. This girl, you go put to you for side, yeah. This girl, you go make it take you something. Mwa bu kwenye ne bechi ano, ojima yemonga. This girl you go put to you for side, yeah. This girl you go make it take you something. Mwa bu kwenye ne bechi ano, ojima yemonga. This girl na waka me see. This girl they do me something. Odu kwa kocho pweme. Mwa beshi. This girl na waka me see. This girl they do me something. Odu kwa kocho pweme. Face where she get, she get the body, anything need to set. This girl you go make it mental for your head. You go carry on my taboo down for your head. This girl you go put to you for side, yeah. This girl you go make it take you something. Mwa bu kwenye ne bechi ano, ojima yemonga. This girl you go put to you for side, yeah. This girl you go make it take you something. Mwa bu kwenye ne bechi ano, ojima yemonga. Madame. D'accord, madame. Pour le repas que vous avez mangé ainsi que le jus, le 4 plats que vous avez consommé ainsi que la boisson, ça fait 6 800 naira.
6800 naira. Oui. Hein? Donc, si tel est le cas, tu ne vas pas me forcer à te payer de l'argent. Je n'ai rien à te payer. Est-ce que tu blagues? Attends, es-tu une comédienne? Tu as chassé tous mes clients en disant que tu vas tout finir. Mon ami, donne-moi mon argent. Tu n'iras nulle part sans me payer. Mais c'est quoi cette blague? Donne-moi mon argent. Donne-moi mon argent. Ça fait mal, hein? Ça coûte, hein? Vraiment? Allons-y. C'est encore le début. Hein? C'est une bande d'annos. Idiote. Allons-y. Tu es resté sans force, hein? C'est quoi ce genre de blague? Hein? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui encore celle-ci? De quelle génération est-elle? Qui es-tu? Toi, la ballonnée. C'est quoi ton affaire? Quelle est ton affaire? C'est un film indien que nous sommes en train de tourner. Des sottises. Hein? Je suis l'acteur. Elle est la productrice. Donc, mets-toi les cas, sinon tu vas te créer des problèmes. Oh. Je ferme mes yeux et avant que je les ouvre, arrête ces jeux! Arrête! Hein? Mais qui est-elle? Vas-y, commence. Ça suffit. Es-tu folle? C'est toi qui es folle. Es-tu folle? C'est toi qui es folle. Tu es folle. Vas-y. Ouais, Tine, c'est bon. Tine. Oh, tu passes. Vas-y. Hop là. Hop là. Tine. Vas-y. Hop là. Souviens-tu. Vas-y. Vas-y, Tine. Tine. Ouais. Tine, laisse-moi. Tine, hop là. Hey. Oh, hop là. Attends. Attends. Vas-y. Hop là. Elle va voir. Je ne vais pas la lâcher. Je te supplie. Nous allons vous montrer. Si je sais pas, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui est bien fait pour toi? Rien. Maman, regarde, on va la montrer. Elle est par terre. Idiot. C'est bien fait pour toi. Elle a eu... Maman, je ne suis pas là. Je suis très bien d'ici. C'est bon. C'est bon, 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 bon. Maman, je ne suis pas là. Écoute-moi, Concorde. Je te donne 24 heures. Hein? Pour quitter cette maison. Écoute, sinon, tu verras la violence. Mets ça dans ta tête. N'importe quoi. Allons-y. C'est juste le début. Tu m'as. Oui, maman. Allez, allons-y. C'est juste le début. Hey. Toi, calme-toi. Ne t'inquiète pas, calme-toi. Non. La plus jolie de toutes. La seule à ça de ses villages qui allait jusqu'à l'Inde. Elle a osé m'embarrasser. Exactement. Elle m'a mise par terre. Non, jamais. Je ne peux pas laisser passer. Non. Je ne laisserai pas passer. Où est-elle? Pardon, où est-elle? Elle m'a défiée. Où est-elle? Je suis en contrôle. Où est-elle? Non, calme-toi. Je ne laisserai pas tomber. Où est-elle? Tante, ne t'inquiète pas. Quand je n'étais pas là, elle dansait. Mais plus maintenant. Elle se mettrait sur ses genoux. Pour te demander pardon. Jide, c'est exactement ce que je veux que tu fasses pour moi. Écoute ma fille, si tu le fais, je te donnerai... Je te donnerai n'importe quelle quantité de nourriture que tu voudras. Ah. C'est une promesse. Oui. Ah. Et je veux aussi ajouter la bière. La bière. Hey, tontine, donne-moi d'abord... Deux bouteilles de bière. Deux. Tu sais que je suis très fatiguée. Je ne saurais pas faire quoi que ce soit. Maman. Tu n'as même pas beaucoup parlé, maman, ma fille. Maman, attends, pardon. Maman, mets-toi. Attends, pardon. Attends, dans la réalité des choses, tu manges quelle quantité? En d'autres termes, tu manges combien de boules de foufou? Écoute, tel que je fais. Je veux faire même trois. Laisse-la. Un, j'arrive. Apporte-moi 20 gâteaux. Ah bon? Oui. T'inquiète, je le ferai pour toi. Sois calme, gâteaux. Ma fille. Je n'ai pas très faim. J'ai besoin de récupérer de l'énergie. Dis-moi un peu, Indica. Est-ce que tu regardes ta taille? Tu veux encore manger? Je ne suis pas grosse. Tu es sûr? Je ne suis pas grosse. Sérieux, 20? 20.
Okonoboda, je dois me venger. Bam. Je dois me venger. Exactement. Moi, la tontine Concorde au moment. Pinon, moi, celle qui est la démarche du caméléon. La seule assa de tous ces villages qui est allée jusqu'à l'Inde. Des fous qui viennent de nulle part ont osé me tabasser. Ils ont joué de moi. Pas de problème. Tchè. Pas de problème. Ils m'ont juste rappelé quelqu'un que j'ai oublié il y a très longtemps. Il vient de surgir dans mon esprit. Non. À la guerre comme à la guerre. Exactement. La ligne de bataille a été marquée. Et on va bien mener cette bataille. Qu'est-ce que j'attends même? Chérie, laisse-moi te dire quelque chose. Je suis là pour toi. Même si c'est la police que tu veux, je l'appellerai. Et si tu ne veux pas la police, je peux me appeler les forces armées, les droits de l'homme, les gendarmes, les douaniers, les sous-marins. Couche-toi, ma chérie. Oh? C'est comme je disais. J'ai déjà arrêté mes plans. Ne te donne pas de stress. Oui. J'ai... Mes plans sont déjà arrêtés, ça n'attend qu'être exécuté. Tata! Jolie fille. Watago? Celle qui a été en Inde et qui a beaucoup de connaissances un peu partout. Qui peut lutter contre toi? Mais, Concorde, quel est ton plan là? Dis-le-moi aussi, non? Il y a un dicton qui dit que les actions parlent mieux que les paroles. Mes actions parleront mieux que mes paroles. Attends, tu le verras. Le temps que j'en finisse avec eux, nous vivrons en paix. Nous ferons notre mariage, notre Ibanko, à l'européenne. Et le but sera marqué. Quelques-uns d'entre eux se donneront la mort. Aïe! Ils iront se pendre et nous les enterrerons. Tchè-tchè! Coco! Tchè-tchè! Coco! Tchè-tchè! T'inquiète. Aïe! Tchè-tchè-moi! Tchè-tchè-moi! Dis-moi encore ce mot-là. Namaste. Namaste. Qui est là? Mon client de l'X, tu es ici. Ça va? C'est la tontine Concorde, le opinion moi. La seule femme qui a voyagé jusqu'à l'Inde dans cette communauté. Je t'ai apporté une affaire. Concorde, ma chère. Je vais le dire encore. La seule fille qui me donne une bière ainsi que de la bonne soupe et qui me demande de payer une fois que j'ai de l'argent. Ce n'est que toi, oh. Il y a dit quoi? Ah! Je faisais puisque je savais qu'un jour j'aurais besoin de ton service et ce jour est arrivé. Qui est celui qui a dérangé ma chère Concorde ici présente? De fou. Hey, ils ne veulent plus me laisser en paix. Heureusement, j'ai quelqu'un comme toi. Mais d'abord, laisse-moi t'arroser. Après, je te mettrai au parfum de tout le plan. Hey! Concorde! Oh, la seule personne qui connaît ma vraie place. Elle connaît ma vraie place. Comment ne pas l'aimer celle-là? Concorde! Oh, je vais résoudre ton problème. Concorde. Madame la patronne en personne. Hein, écoute-moi, pour ton problème, je vais mourir. Allez, dégagez de là, espèce d'idiot. Tioma. T'es fou. Qu'est-ce que ça veut dire, non? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que ça veut dire? Hey, tu es toujours là? Je ferme mes yeux avant que je ne les ouvre. Pars à la cuisine rapidement, cherche-moi à manger une boisson. Oui, madame. Qu'est-ce que tu fais là? Désolé. Dégage. Insensé, idiot. Nous sommes là en train de parler, toi tu veux parler. Idiot, va-t'en d'ici. Des malades. C'est quelle bêtise ça? Assieds-toi. Hey, dis.
Ils ne savent pas de quoi tu es capable. Ils ne savent pas. Idiote. C'est quelle bêtise ça? Ils ne savent pas de quoi tu es capable. Voilà, elle s'est échappée, cette idiote. Ayez quoi moi. Maintenant, écoute. Démolis cette montagne. Si ce n'est pas assez, on va apporter Kilimanjaro. La montagne doit être ôtée. Même le mont Everest t'attend. Quoi? Hey. Des petites souris de ces villages m'ont défié. Ils osent me dire que je ne vivrai plus en paix. Ils sont prêts, se sont levés pour me donner la guerre dans la maison de mon mari. Un homme qui m'aime énormément. Ce n'est pas que je suis lâche. J'ai répliqué à leurs attaques. Je me suis chargée d'eux à la manière de l'Inde. Ouais. Puisque j'ai vécu ce genre de choses à l'Inde. Et c'est là que j'ai appris à me défendre. Non, je ne suis pas lâche. C'est vrai. Je leur ai donné à la manière de l'Inde. Ouais. Jusqu'à ce qu'ils aient cherché les renforts d'un surpoids. D'un éléphant. D'un buffle. Elle est juste comme un ballon. J'ai dit bah. Je connais la solution à ces ballons. Ouais. Parce que même un enfant sait comment finir avec un ballon, juste avec une aiguille. Et je suis venue chez toi. Tu sais pour ce que tu viens de faire là. Tu vois tout ce que tu as préparé là. Sois posé, laisse-moi le télécharger. Un ballon. Un ballon a juste besoin d'une épine. Juste un petit. Et on oublie ça. Laisse-moi finir cette bonne nourriture. Laisse-moi manger. Écoute, il y a plein de nourriture. Écoute ce que je suis en train de dire. Dégonfle tout ce qui est dégonflable là-bas. Mais s'il te plaît, que rien n'arrive à mon fils. Ne touche pas mon Qu'est-ce fils. Qu'est-ce que tu racontes? Il est mon Je sang. Sais, je sais, je sais qu'il est ton sang. Je lui ai Sois déjà épousé. Dit. Ok. Je lui ai déjà dit. Champion, fais ton travail. Je suis très colérique. Si ce n'était pas à cause de... je suis une personne très colérique. Okay. Tantine Concorde, qu'est-ce qu'il y a? Tchouma hier était venu avec une grande fille. Ils ont mangé de la nourriture et ils ont pris de la boisson. Ils étaient partis. Aujourd'hui encore, ils sont là. Elle exige de la nourriture ainsi que tout ce que nous avons comme boisson dans le frigo. J'ai agi comme si je voulais leur donner. Ensuite, je me suis enfui par la fenêtre. Tu as entendu? Mais lève-toi, non? Lève-toi, on y va. Ils sont encore là. Oui. Ils sont encore là. Quelqu'un va mourir. Oui. Vas-y. Quelqu'un va mourir. Je le sais. Dépêchons-nous, on y va. Quelqu'un va mourir aujourd'hui. On n'a plus de temps pour ça. Lève-toi. Très bien, commençons à partir alors. Hey! Où sont-ils? Où est-ce qu'ils sont, non? De lâches! Hey! C'est très évident qu'ils étaient ici. Où sont-ils passés? Où est-ce qu'ils sont? C'est évident qu'ils ont fui. Ils sont partis. De lâches. De fous. Nous ne reculerons plus d'un pas avec eux. Nous devons finir avec eux. Ils doivent payer le prix. Ils doivent arrêter. Mais tu sais bien que je n'aime pas trop parler. Je préfère l'action. J'aime voir les gens tomber. J'aime voir les gens mourir. J'aime l'action. Garde ton énergie. Je sais que tu n'aimes pas beaucoup parler. Tu aimes faire des actions. Ils verront de toutes les couleurs. Allons-nous-en. Nous devons le trouver. Vous voyez, chérie, pour toute querelle dans ma maison ou à cet endroit, je suis prêt. Mais pour moi d'aller me battre dans la maison de ma belle famille... Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas juste. Hein, c'est ça? Comment aller me battre? Tu sais que ce n'est pas bien. Tu es une femme. Amène-le là-bas. Il a la capacité de pouvoir t'aider dans cette affaire. Ce n'est pas bien. Hein? Tu sais quoi? T'es juste un mot. T'es lâche. Champion, on y va. Tu m'enfermes le bas. Okay. Regarde-moi ces vieux hommes. Ils vont sentir. Écoute, ma fille, je n'avais jamais su que ça allait tourner comme ça. Aïe! Ça devient un problème. Aïe! Écoute, tontine, ça, c'est l'un de mes 50 démons que je porte. Écoute, si je fais sortir le numéro 5... et qu'elle est toujours à la maison, je mettrai cette maison en feu. Quand je ferai sortir le numéro 5, les fantômes et les démons viendront me suppléer pour que je laisse tomber. Je te fais confiance.
Moi, je t'ai fait confiance. Tu vois, toi et moi, nous sommes un. Nous sommes un. Et on va tout planifier ensemble. On planifie et on l'exécute. On va les séparer les deux. Maman, tu sais quoi? Dans cette maison, toi et moi, on va y retourner. Oui. Nous trois, nous allons aussi profiter de la bonne vie. C'est quoi ces bêtises? C'est ça! Parce qu'une étrangère ne peut pas venir manger la zone de mon mari juste comme ça. Non. Ah, ça ne peut pas se faire. Hey, c'est bien fait. Allô? Allô? Oui, écoute-moi. Je dis, écoute-moi bien. Écoute, désormais, je n'ai plus besoin des services de tes hommes. Hein? Celui qui veut une coalition pour les élections. Hein? Oui, celui qui voulait qu'on se mette ensemble. Je ne veux plus de ça. J'ai ma propre stratégie que je vais utiliser pour gagner mon élection. Alors, il faut effacer mon numéro de ton téléphone. Efface mon numéro de ton téléphone, oui. Je ne veux plus de service de tes hommes. C'est bon. N'importe quoi. Mais ces garçons, on a manqué de personnes à utiliser pour me finir. De toute façon, j'ai mes stratégies. Je vais les utiliser pour gagner mes élections. Je dois gagner ces élections. Je vais d'abord chez ma chérie Concorde et prendre ma pepper soup. N'importe quoi. Hé, hey, ça c'est l'honorable Wakwe, le grand patron. Le grand patron. Le grand patron. Cet argent signifie bonjour, bon après-midi, bonsoir. Tout bien, bien. Mais j'utilise cet argent pour te dire comment tu vas et merci. Où est Tantine Concorde? C'est juste qu'elle est allée chercher ceux qui étaient venus ici pour lui créer des problèmes. Ah ah, trouble. Ah. Quelqu'un cherche des problèmes à ma Concorde. Elle ne m'a même pas appelé pour venir acheter les troubles et les vendre et faire mes profits. Hein? D'ailleurs, elle a pris quelle direction? Je ne sais pas. C'est pour ça qu'elle est allée le chercher. Ok. C'est ici dans ce village? Oui, ici Chai. Dans ce village. C'est une géante fille, hein? Un garçon et sa mère. Pas de problème. Je vais régler ça. Je vais créer des problèmes à celui qui crée des problèmes à ma Concorde. Tu vas voir ça. Je vais montrer à la personne que j'achète des problèmes, je les vends et j'ai fait mes profits. Okay. Je reviens. Okay. Merci, monsieur. Oui. Hey, Seigneur, voyez-moi tout cet argent. Oh, mon Dieu, c'est beaucoup. Merci. Hey. Chekwas! Chekwas! Ah. Chekwas, attends là-bas, attends bon. Là-bas. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Bon. Je ne suis pas venu pour ça. Ah, ah. Je ne suis pas venu pour ça. Allons à l'intérieur, non. Pour faire quoi l'intérieur? Qui t'a dit que je suis venu ici pour m'asseoir? Je ne suis pas venu ici pour m'asseoir. Je suis venu juste pour savoir pourquoi tu m'as menti. Et pourquoi tu laisses ces choses se passer comme ça? Et beaucoup de gens font éruption dans ma maison, me racontant des histoires troublantes. Pourquoi? Onye Zomenka, je n'ai pas compris. Pourquoi ne pas aller à l'intérieur pour qu'on parle? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Tu m'as menti que toi et ta femme Akudo, vous n'êtes plus ensemble. Que vous n'êtes plus ensemble. Ce qui a fait que j'ai collecté la chose insignifiante que tu as apportée, que tu voudrais épouser ma nièce. Yeah. Mais j'ai découvert que vous êtes toujours ensemble. Hein?
Et tu as laissé ton fils et ta femme se battre contre ma nièce et aller détruire les choses dans son bar. Ichiomenka, maintenant, j'ai compris ce que tu essaies de dire. Pourquoi ne pas nous asseoir comme des beaux, comme des adultes et discuter des problèmes? Je te dirai en détail comment les choses se passent, tout ce que tu as appris. Quant à Akudo, elle n'est plus et elle ne sera plus jamais ma femme. Mon beau, allez à l'intérieur et parle. Ça, c'est entièrement ton affaire. C'est entièrement ton affaire. Écoute, je suis venu ici pour prendre ma petite nièce. Et elle ne va plus jamais mettre pied dans cette maison avant que je sois sûr qu'elle est en sécurité ici. Et que tu aies réglé la situation entre toi et ta femme. Et pour ton information, je ne vais pas te permettre de mettre pied dans ma maison avec l'intention de venir chercher ma nièce jusqu'à ce que tu aies payé la dot. J'étais si stupide de lui avoir permis. De lui avoir permis de venir habiter chez toi. C'est quoi cette bêtise? Quels sont ceux qui causent cette confusion? Où est-elle? Où est-elle? Cosisso! Elle n'est pas là, c'est ce que je suis en train de te dire. Elle n'est pas là. Ouais. Ok, elle est allée... je vois, elle est au bar, n'est-ce pas? Elle est là-bas, c'est mieux, j'irai la voir là-bas. Non, pas là-bas, pas là-bas. Ne va pas au bar, ce n'est pas nécessaire. Écoute, ne me provoque pas. Au c'est quoi cette connerie? Je ne suis pas content que tu ne prennes pas de la cola. Oh. Tu es venu chez moi, ce n'est pas bien. Oh. Hein? Comment viendrait-il chez moi sans prendre de la cola à cause de ce qui se passe? Hey. Toute personne qui cherche ce problème à ma concorde. Moi, je trouble les troubles. Est-ce que l'une d'entre vous a vu ma concorde, ma chérie? Hey. Êtes-vous sourde et muette ou les deux? Hein? Écoutez, je suis l'honorable Wakwe, le nouveau président, le futur chef de toute cette communauté. Qui d'entre vous a vu ma chérie Concorde? Ah! Écoutez, moi c'est l'honorable Wakwe, le seul homme qui voyage très loin, partout, pour acheter des troubles et faire ses profits. Vous ne savez pas où se trouve Concorde, vous ne l'avez même pas vu. Ma chérie, allons-y. Regardez-moi ça. Je dois te retrouver, Concorde. Concorde, partout tu es. Je vais te voir, je dois te trouver. N'importe quoi. Hé, hey, maman, laissez-moi vous dire. Nous avons semé du trouble. Nous avons semé du trouble, maman. Nous leur avons montré de quoi on était capable. Oh, quelle violence. Violence. Mais il fallait voir, maman. Nous avons cassé leurs assiettes, leurs bouteilles de bière, tout ce qu'il y avait. J'ai confiance en toi. Ne nous cherche pas. Ne nous cherche pas de problème. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Moi, j'ai confiance en toi. Tu es la meilleure. Où sont-ils? Maman, on nous a cassé ton corps. Sortez, c'est fini. Où êtes-vous? Où sont-ils? Revenez ici. Revenez, où est-ce que vous allez? Concorde, attends. Concorde, dis-moi ce qu'il se passe. Ma chérie, Concorde. Concorde, ma chérie. Concorde, attends, ma chérie. Concorde, attends-moi. Hey. Hey. C'est trouble plus que ce que j'avais imaginé avec ce qu'ils m'ont fait. Ah. Ces gens verront jusqu'où ira cette histoire. Oui, vous allez bien voir. Hey. Hey. Non, ma voiture. Hey. Où est-elle? Bienvenue, mon oncle. Oublie la bienvenue et appelle Kwesi pour moi.
Tu dois l'amener à la maison maintenant et l'enfermer. Quel est ce genre de bêtise? Mon oncle, elle n'est pas là. Elle est sortie. Elle est allée chercher ces gens qui nous créent de troubles. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de clients ici. Mmh. Ils ont chassé tous nos clients. C'est ça. Il n'y a pas de problème. Je vais m'asseoir et l'attendre. Peu importe quand elle va revenir, je dois l'amener à la maison. C'est quoi cette foutaise? Mon oncle, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est ton business. Vous pouvez partir, elle viendra vous voir. Ne m'appelle pas oncle, je vais l'attendre. D'accord, si c'est ce que vous voulez. C'est chaud qu'on leur a donné aujourd'hui. Ils ont vite compris qu'il y a le feu sur la montagne. Laisse-moi voir encore l'air ombre à côté de ma terrasse. Tandis qu'encore, ne t'en fais plus. Regarde, tout ce que tu as à faire, c'est de me fournir assez de charges. Assez de charges, tu sais, pour que je puisse récupérer, tu sais, l'énergie que je vais utiliser. Hein? Assez de nourriture. Mais pour ça, il n'y a pas de problème. T'inquiète, tu auras tout ça. Hein? Tout ce dont tu auras besoin. Je te les donnerai. Te dérange pas. Eh mon Dieu. Eh mon Dieu. Eh où? Eh Nawao. Eh où? Eh tu t'es... Maman, attends. Avec toute la taille que tu as, franchement, tu m'étonnes, oh. Franchement, tu m'étonnes. Avec toute la taille que tu as, nous, on fouille, et toi aussi, tu fouilles. Je n'ai pas fouillé. J'ai juste replié. Je savais que tu dirais ça, mais je ne pouvais pas agir. J'ai dû d'abord planifier et ensuite me battre. C'est que... Jide, ce qu'elle a fait, c'est bien. Écoute-moi bien. Chez Omar. Maintenant, comme vous connaissez déjà leur plan, vous devez savoir comment est-ce que vous allez lancer les ballons et comment ça va tomber. Vous voyez, c'est le temps pour nous de monter plus haut encore, hein? Maman, ne t'en fais pas. Oui. Ne parle même pas beaucoup. Nous avons déjà prévu ça et c'est le plan B. Ne t'en fais pas, maman. Nous allons monter un nouveau plan et passer à l'action. Aujourd'hui même, quelqu'un va mourir. Quelqu'un va mourir. Aïe, aïe, attention. Maman, tu n'es quand tu fouilles encore. Eh, mon Dieu, tu n'es pas. Alors c'est toi, tu es le petit frère du papa. Oui, tu es le père. Ouais, tu as raison. Je voulais toujours te voir, hein, papa. Tu vois, Concorde, ma chérie, m'avait dit de partir et de revenir ici dans 21 jours. Ah. Oui, et je suis là. On m'a dit qu'elle est partie avec un homme et sa femme. J'ai vu le problème alors, hein. Oui, je suis content de te voir, hein. Laisse-moi te montrer que je suis l'honorable Ouakwe. Tu comprends? Alors dis-moi un peu. Si tu ne vas pas accepter que ta fille épouse le nouveau chef du gouvernement local, ou bien, chef, dis-moi, si ma chérie, la belle Concorde, règle le trouble dans lequel la main tchèquoise. Nebe Kwaro. Chef, si j'épouse ta fille Concorde, je vais lui donner une grande maison et la police. Pas de problème. Donne-moi ça. Oui, chef. Tu vois? Personne n'osera s'approcher d'elle et faire n'importe quoi. Aïe. Oui. Encore. Tu vois. Oui, papa. Vous voyez ça. Voilà un vrai homme qui parle. Hé, papa. Je suis l'honorable Ouakwe. Je vends du trouble, je les vends et puis je fais mes profits. Ouais. Pour m'avoir appelé un petit homme, laisse-moi te montrer encore plus. Hey. Messieurs, on achète des troubles pour les vendre et faire du profit. Voici ça, c'est pour toi. Tout ça pour moi. Itché. Tout ça pour moi. Itché. Itché. Nous faisons de l'argent avec des troubles. On les achète et on les vend. Itché, tu vois ça? C'est comme ça que nous autres faisons de l'argent. Je suis un grand homme, tu comprends? Itché, nous gagnons l'argent comme ça. Nous vendons des troubles et nous les achetons. C'est qu'encore sec de m'épouser. Hey, merci. Oui. J'ai fait de l'argent. J'ai fait de l'argent. Bye.
Oui. 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 Tu sais ce qu'on va faire maintenant? Oui. Tu peux rentrer et revenir demain. Pas de problème. Ça, parce que je veux parler avec elle d'abord. Mais sois rassuré que c'est toi qui vas l'épouser. Vous voyez? Oui. Moi, je suis l'honorable Ouakwe. Je fais mes profits en vendant et en achetant des troubles. Aucun problème, hein? Concorde, ma belle chérie. Moi, je m'en vais. On va se voir demain. Et tu rappelles-toi. J'achète des troubles, je vends des troubles et je fais mes problèmes. Troubles, troubles, je fais mon profit. Hein? Merci. Merci, moi, je pars. D'accord. Ok. D'accord. Je suis très content. Nous allons nous voir bientôt. D'accord. Ok, à bientôt. Ma belle chérie Concorde. Concorde à moi-même. Honorable. Aucun problème. Merci, merci. D'accord, bye bye. Bye bye. Wo kiki. Hi. L'argent est bon. Yeah. Au revoir. Ah, allons à l'intérieur. Oh, ne veux-tu pas aller à l'intérieur? Allons à l'intérieur. Ok, ok. Il n'a pas orchestré ça. Hein? J'étais allé chez Tchékouas pour te ramener. Et dans ton bar, il m'a vu. Tu ne vas plus aller chez aucun homme. Mais chez l'homme-là qui t'épousera proprement de la bonne manière. Qui va prendre soin de toi et aussi te protéger. Tu as compris? Je ne fais pas ça parce que je te déteste. Non! C'est quelque chose qui va te rendre heureuse. Oui, dis-moi un peu. Est-ce que c'est la meilleure chambre? Monsieur, ça c'est notre super chambre d'honneur. C'est 2000 naira pour une nuit. Je t'ai demandé de me montrer la meilleure chambre et toi tu m'as amené ici. Hein? C'est le plus beau jour de ma vie aujourd'hui. C'est pourquoi je voulais dormir dans un hôtel pour reposer ma tête. Demain très tôt le matin à partir de 9h, je serai avec ma chérie Concorde la belle belle. Hein? Et puis tu m'as amené ici. Et tout ce que tu me demandes, c'est 50 000 ou 100 000 naira. Monsieur, quand je viens de le dire, c'est notre meilleure chambre. Ah, donc, cela veut dire que les chambres de cet hôtel sont vraiment standard. Hein? Quand je vais à Dubaï ou en Chine, je loue des chambres. Hein? Et là-bas, nous payons 600 dollars ou 700 dollars par nuit. Et je paye pour tout un mois cash. Je reste là, je me détends. Et je fais mes affaires. De toute façon, j'espère qu'il n'y a pas d'insectes ou des moustiques ici. Non, 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 monsieur. Pas du tout, monsieur. Cette chambre est parmi les meilleures chambres du monde dans les hôtels, je vous jure, monsieur. Écoute-moi, mademoiselle. Enlève ce mot-là. Enlève ce mot-là. Bon, de toute façon, laisse-moi un peu voir. Si la télévision et les toilettes fonctionnent, laisse-moi voir.
Alors, mademoiselle, donc tu es en train de me dire que tout ce que vous vendez ici sont des plats continentaux. Hein? Écoute, moi, je suis un politicien de grande classe et j'aime la nourriture de grande classe. Vous ne vendez pas les okobo et les issés ici? Ah, désolé, monsieur. Nous ne vendons pas ces histoires ici. Vous ne les vendez pas ici? Alors, laisse-moi te dire. Je suis l'honorable Wakwe. J'achète des troubles, je vends des troubles et je fais mes profits. Alors, prends cet argent et traverse la route, hein? Où j'entends cette musique. Achète-moi le issé et le okobo et laisse-moi m'amuser. S'il vous plaît, monsieur, je ne peux pas, monsieur. Je suis aux heures de service. Je ne peux pas sortir. Je vous en prie. Désolé, monsieur. Mais regardez-moi cette fille. Ok, pas de problème. Pas de problème. Je suis l'honorable Wakwe. Je fais des profits en vendant et en achetant des troubles. Rien ne peut prendre le dessus sur mon bonheur ce soir. Je vais aller en face, avec moi-même, par moi-même et pour moi-même. Et acheter ces onkobi. Je vais les manger et je serai heureux cette nuit. Pas de problème. Regardez-moi cette fille. Tu es ici cette nuit. Y a-t-il un problème? Il a un problème. C'est quoi le problème? J'attendais qu'elle revienne cette nuit, mais elle n'est toujours pas revenue. C'est pourquoi je suis là, pour voir si elle est là, pour pouvoir la voir. Qui? Concord, non? Oh! Donc c'est à cause de Kossi que tu es venu ici cette nuit. Et tu as presque brisé ma porte. Omenka, je suis désolé, mais tu ne sais pas ce que je ressentais. Tu ne sais pas ce que je ressentais avant de venir ici. S'il te plaît. Tchekwas. Tchekwas. Ouais. Tchekwas. Mon grand beau. Combien de fois t'ai-je appelé? Tu m'as appelé 3 fois, mais je veux juste la voir. Et puis je repartirai. Le seul conseil que je vais te donner maintenant est de quitter cet endroit. Hein? Retourne chez toi. Sinon... Si j'entre et sors avec mon fusil, tout ce que je vois est un animal ou bien un voleur. Non, c'est pas arrivé jusque-là. C'est arrivé jusque-là. Oh. Permets-moi seulement de la voir une fois et puis je partirai. Ok, je vais aller l'appeler. Que j'attende. Ouais, attends, je vais aller te l'appeler. Merci beaucoup. Attendez, et si cet homme sortait avec du fusil? Tchekwas! Ah! N'importe quoi. Imbécile. Il fallait attendre pour que je sorte et tu vas voir. Je sais ce que je vais faire. Tchekwas, bienvenue. Merci, mon beau. Tchekwas. La réponse que je t'avais donnée demeure la même. Et c'est toujours non. La colère que tu avais apportée, qui est une partie de la dot de ma nièce, n'est pas assez pour l'amener chez toi comme ta femme. Non. Non, ça ne se passe pas. Dorénavant, je ne peux plus rien recevoir de tes mains jusqu'à nouvel ordre. Ah, et je ne te dirai rien non plus jusqu'à ce que sa mère revienne. Je lui ai envoyé un message. Regarde ce qu'il dit. Je ne dis pas que je vais l'amener à la maison, juste pour la voir, même pour une minute. Et tu parles de ce que je n'ai pas dit. J'ai réalisé que tu perds la raison. Tchekwas. Je pense vraiment qu'à ce point-ci, tu n'as plus rien à faire. Parce qu'après tout, tu ne l'as pas encore épousé. Je pense que c'est mieux que nous revenions ici avec l'argent complet. Merci beaucoup. Quelquefois, je me demande si je te connais très bien.
Oui, je dois me blâmer moi-même. Après tout, c'est moi qui t'ai demandé de m'accompagner à cet endroit. Je sais. Mais ce que j'essaie de dire ici et maintenant, c'est que nous devons partir. Pourquoi? Parce que cet homme m'a parlé. Et tout ce qu'il a dit est bien vrai. Alors, très allons-en. Bien. Comme cet adage, le stupule, c'est au pied du mur qu'on juge le maçon. Tchèkouaz. Vous allez me voir. Hein? Tchèkouaz, j'ai dit allons-en. Allons-en. Lâche-moi. J'ai dit allons-en. Lâche-moi. Lâche-moi. Tchèkouaz, allons-y. Non, viens me porter. Tchèkouaz, allons-y. Que veut dire tout ceci à cause du mariage? Tchèkouaz, allons-y. Tu allons-y, dois m'arracher cette branche avant de m'emmener. Vas-tu laisser cette branche? Si tu fais détacher cette branche... Non, mais pourquoi tu es en train de faire ça? Pourquoi ne devrais-je pas l'avoir? Non, venez me porter, non. Tchèkouaz. Isondo. Bois. Tantine, tu vois ce que j'ai préparé aujourd'hui? Je vais appeler cela plan 3. Quand je mettrai cela en pratique, aujourd'hui, tu vas rentrer chez ton mari. C'est bon. Je le confirme. Ah, calmez-vous. C'est quoi ça? Est-ce que c'est toi qui as amené ces trois cassettes de bière? Est-ce que tu les as amenées? Et tu te permets aussi de prendre une bouteille maintenant? N'importe quoi. Imagine. Relax. Calme-toi, mon fils. Tu fâches pas, hein? Écoute ce qu'elle veut dire. Relax. J'avais oublié que tu étais le général. Tu fâches pas. Les champions ne parlent pas beaucoup. Ils passent directement aux actions. Allez. C'est toi qui l'avais fait. J'ai juste dit cela en oubliant que c'est toi qui avais tout planifié. Tu fâches pas. Maman, on ne va pas beaucoup parler. On les observe, maman. On les observe seulement. Chuma, je suis impatiente. Oh, le papa de ma chérie Concorde. J'ai atterri comme une Land Rover. J'ai atterri. Ouais, bienvenue. Je suis là, mon beau-père. Je suis là. Okay, hey. Bienvenue. Oh, ayez un mandat quoi. Eh ouais. Je suis venu. Je suis venu. Je suis venu. Hey, mon Dieu. Ouzondo. C'est moi l'honorable Wakwe. Je vous avais dit, c'est moi l'honorable. J'ai de l'argent. Enfin, je vais épouser ma Concorde. Ma chérie Concorde. J'avais dit que j'allais te finir. Sur l'argent comme un singe. On ne blague pas avec l'honorable Wakwe. L'argent de ce faux rire. Ah. Tchèkouaz. L'honorable Wakwe. Tchèkouaz. L'honorable Wakwe. Tu es avec oui, mais ça, je vois ça comme un film pour moi. Oui. L'argent et le pouvoir. Je suis désolé. Je vous avais bien dit. C'est moi le boss. Mon cher, tu es en train d'écraser 2000. Je vous avais bien dit, c'est moi le boss. Attention. Pourquoi tu ramasses mon argent? C'est pour toi. Hein? Écoute, 2000. Donc, c'est sur moi. Non, ça c'est à moi. Prenez encore. Ça c'est mon écoute, argent. Cet argent signifie bonjour. Comment tu vas? Merci. De rien. Oui, c'est vrai. Écoute-moi, beau-père. Dans mon coffre, j'ai beaucoup de boissons. Pour laver le visage et le bouche ce matin. Tu sais comment on fait, non? Tu sais, non, on peut encore l'acheter beaucoup. Mais, mon beau-père. C'est mon argent. Mais, beau-père, je n'ai même pas vu Concorde ici. C'est mon argent. C'est mon argent, ne touche pas à ça. J'ai beaucoup d'argent. Est-ce que je peux voir Concorde s'il vous plaît? C'est mon argent. Pas de problème. Oh, mec, reviens ici. Où penses-tu que tu vas? Ça fait juste quelques minutes, tu m'as dit que personne ne peut voir ma Concorde. Jusqu'à ce que cet homme, Ife Iwan, arriva. Ouais. Ife Iwan y est arrivé. Mais ressemble-t-il à cet Ife Iwan qui devrait t'amener à aller la faire sortir? Non, il ne ressemble pas à Ife Iwan. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ça fait de lui Ife Iwan. Au fait, il est Ife Iwan. Beau-père, dis-lui. Il paraît que tu es une bonne personne, tête. Tu es un bon homme. Okay. L'argent parle. Je peux encore vous en donner autant que je veux. Oui, c'est ça. Je vais aller te l'appeler. Oui, ok, je veux vraiment la voir. Je vais aller te l'appeler. Oui.
Allez, stop, stop. Arrête cette voiture. N'avance Je vais pas. Détruire cette voiture. Vas-y, fouille partout, fouille. Où est Concorde? Hein? Dis-nous, où est Concorde? Où est Concorde? Papa? On te pose la question, papa. Ok, je l'ai été. Papa, où est Concorde? Mais vous voyez que Concorde n'est pas dedans. À l'heure où je vous parle, Concorde est prise en otage quelque part. Et je veux... Non, je veux vous payer pour que vous alliez détruire l'homme là qui l'a prise en otage. Monsieur, tu blagues. Il essaie de nous piéger. Papa, tu penses être plus sage. Papa, on sait de quoi tu es capable. Nous savons que tu peux tout faire pour protéger cette fille, Concorde. Et nous faire arrêter. Chum. Papa, nous sommes sages. Écoutez, je vous jure au nom de Dieu que je ne suis pas en train de vous mentir. Et je ne suis pas en train de vous tendre un piège non plus. Quelqu'un est en train de la tenir en otage. Et la même personne essaie de corrompre son oncle afin qu'elle puisse la garder. Ce que je veux maintenant est que vous alliez pour la faire sortir de cet endroit. Du moins, pour arrêter leur plan, je promets que je vais vous payer bien. C'est des bêtises. C'est quelle histoire ça? Non, mais papa, si je t'ai bien compris, tu essayes de me dire que quelqu'un a kidnappé Concorde. Et que si on sauve Concorde de cette personne, ma maman retourne à la maison. Mam. Papa, une fois de plus, ma maman sera de retour. Absolument. Oh papa, je te crois. Absolument. Je te crois. D'accord. S'il vous plaît. En fait, papa, nous sommes professionnels. Donc, on ne fait pas n'importe quel travail. Alors, je vais te suivre. Toi, tu vas à la maison. Premièrement, nous allons te suivre à la maison. Nous allons fouiller partout. Nous allons fouiller si elle est là. Si elle n'est pas là, tant mieux. Et puis, deuxièmement, tu vas nous donner cet argent dont tu parles. Nous allons le garder. Je paierai. Nous allons s'asseoir pour planifier avant de passer à l'action. Oh, le moment de planifier, vous ne comprenez pas. En prenant tout ce temps pour planifier, beaucoup de choses se seront passées. S'il vous plaît, montez dans la voiture et partons. Tu as dit quoi? Je dis montez dans la voiture. Je ne comprends pas. Répète-le encore. Aïe. Montez dans la voiture. Vous perdez encore le temps. Tu peux partir. Hein? Oui, tu peux partir. Allons-y. Aïe. Tu peux partir. Tu me demandes de m'en aller. Papa, tu peux partir. Aïe. Je lui avais dit, mais il ne comprenait pas. Oh, tu crois ça que moi j'étais son ami? Ce vieil homme doit vraiment se respecter. Il doit savoir que moi je ne suis pas de son niveau. Oh oh. Nous parlons de notre argent ici. L'argent, le pouvoir et la connexion. C'est moi ou quoi que l'honorable est le grand boss? Oh. C'est l'honorable qui parle ici. Mais où est ce vieil homme qui vient encore parler ici? Oh. S'il te plaît, ferme la portière. Ferme la portière. Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Hey, pas de problème. Ah ah, beau-père, où est ma chérie Concorde, la plus belle, la plus douce? Où sont ces autres gens? Ils ont une bonne leçon. Hein? Elle a dit qu'elle ne sortirait pas pour voir qui que ce soit. Le succès de ton intention dépendra de ce qui sortira de ma discussion avec elle et sa mère avant que je n'informe ses parents. Itché, ok, pas de problème. Pas de problème. Tu sais, laisse-moi continuer mon spectacle jusqu'à ce qu'elle va sortir. Tu sais comment je fais, non? Non. Viens, s'il te plaît. Ne te dérange pas. Mais où est le problème avec ça? Hein? Itché, ne t'inquiète pas. Je me rappelle, j'ai beaucoup de boissons. Laisse-moi l'amener, je vais boire, les attendre jusqu'à ce qu'ils vont venir, tu sais. D'accord, oui. Allons nous asseoir là-bas à cause du soleil ici. Pas de problème, aucun problème. Laisse-moi amener la boisson. Je l'ai compté, c'est au complet. Hey, en tout cas, c'est monde, hein. Papa, tu as vraiment beaucoup d'argent comme ça, avec toi. Tu ne m'as jamais donné même de l'argent. Mais seulement quand Concorde arrive, hey, tu achètes le groupe électrogène, hey, tu achètes les DVD, hey, tu lui fais des commandes, tu achètes tout ce que tu veux pour elle.
Et c'est seulement quand elle a été kidnappée que tu nous amènes l'argent. Oh papa, c'est comme ça que tu vis? Je suis vraiment désolé. Tu vois, ce qui m'importe maintenant, c'est d'arrêter cet homme méchant à mettre la main sur elle. Écoute, nous avons entendu ce que vous avez dit. Nous devons partir. Mais avant tout, tu dois nous donner toutes les informations nécessaires. Et deuxièmement, si tu ne réponds pas à ma tontine, je vais te trouer partout. On n'a pas besoin de ça. Il a toutes les informations concernant ta tante, ma femme. Je vous assure, elle va revenir dans cette famille. Voici ce que je veux que vous fassiez. Je veux que cet homme, Nwakwe, soit envoyé en exil sans retour. Écoute, regarde-moi ta vie. Si tu n'étais pas mon père, je te jure que j'allais même te taper. Tu as vraiment de la chance. Et tu sais quoi, papa? C'est l'argent qui t'a sauvé. Donc, je ne vais pas te taper. Je ne vais pas te taper. Parce que l'argent t'a sauvé. Merci. Tidjeka, on peut partir. Papa, recule. 6 mètres. Nwakwe, tu ne prospéreras jamais. Chakos est donc incapable de lutter pour moi. Il est tellement lâche. J'aurais dû comprendre qu'il n'est pas aussi brave. Dès que je verrai ma mère, je vais déverser toutes mes pensées. Je dirai à tout le monde ce qu'ils n'ont jamais entendu de ce que je pensais de toutes ces choses. Oui, je fais beaucoup d'argent dans mes affaires avant de venir dans la politique. Hein? Je ne suis pas un homme pauvre, hein? Je ne suis pas un politicien pauvre. Mais dans le business que j'ai fait avec toi, tu te comportes vraiment comme un homme pauvre. Je ne parle d'aucune affaire avec toi jusqu'à un autre jour. Hein? Va-t'en, laisse-moi tranquille. Il ne faut plus m'appeler, je ne fais plus d'affaires avec toi. Je ne parlerai qu'à ton patron, au ta cargo, et pas toi, un petit garçon. N'importe quoi. Oh, beau-père, je suis vraiment désolé pour non, ça, désolé. Non, pas de problème. Okay. C'était un moustique qui me piquait ici, que j'ai même tué. Ok. Ouais. Oui, tu vois, c'est sûr que les petits garçons là, si tu as l'argent, ils vont t'appeler pour te déranger, pour que tu leur donnes de l'argent. Hein? Quand je serai élu le président du gouvernement local, je paierai les salaires du gouvernement local. Ouais. Ce n'est pas eux qui me payent. Ouais. Hein? Ouais. Je fais beaucoup d'argent, beaucoup trop d'argent. Hein? Je ne suis pas un pauvre politicien, jamais. Si je vais bouffer mon argent jusqu'au jour de ma mort. Aïe. Oui, je fais de l'argent. Je fais beaucoup d'argent. Oui. Ouais. Aïe. Oui. Ouais. Les troubles. Oh. Les troubles. Hey, attends. Mon nom est l'honorable Nwakwe. Je t'ai vu avec Concorde l'autre fois. Hein? Écoute, maintenant, il y a des gens qui veulent la tuer et me tuer aussi. Hein? Oh, hey.
Hey. Congo que je connais. Oui, c'est elle. Qui sont-ils et où sont-ils? Suis-moi dans la maison du chef Omeka. La maison du chef Omeka. J'ai l'argent, je peux te payer. Vous allez me payer? Oui. Comme allons-y. Si c'était fait. Hey. Où est-ce les troubles sont, les troubles. Ils sont là. Ok. Ok. C'est vous, n'est-ce pas? C'est ça? C'est vous qui êtes en train de terroriser ce village, n'est-ce pas? Viens, oui, c'est donc c'est vous qui êtes en train de terroriser ce village. Pourquoi tu fouilles? Viens. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Approche avec eux. Toi, tu verras aujourd'hui. Ils trouvent mon trou. Tu verras. C'est vous les gangsters, hein? Approche. C'est vous qui semez les troubles ici. Toi, et toi, tu vas faire. Si seulement tu dépasses cette ligne. Si tu avances seulement. Approche ici. Vas-y, avance-toi, non? Tu es fou. Tu es malade. Tu es malade. Le sang va couler dans quelques minutes. Essaye seulement de t'approcher. Le sang va couler ici. Essaye seulement. Vous allez voir. Régulez. Avance, non? Viens encore. Attends, tu vas voir. Je vais vous décapiter, vous allez voir. Je vais vous. Qui est ici, oh? Hey! 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 Il se passe quoi comme ça, oh? C'est qui ça? Oh! Hey! Je ne sais même pas que je suis dans la maison de mon ennemi. Et maintenant que tu le sais, je vais te décapiter et tu deviendras une personne sans. En fait! Ici et maintenant! Dis-moi, combien tu as dépensé sur ma belle chérie Concorde? Et je paierai cash maintenant! Hein? Combien tu as dépensé sur elle? Wakwe, hein? L'argent ne définit pas tout. La fille dont nous parlons est une fille que j'aime de tout mon cœur. Oui. L'argent n'est pas le problème ici. Laisse-moi te dire, la seule chose qui nous empêche, Concorde et moi, de commencer à habiter ensemble, c'est sa maman. Et n'oublie jamais, hein? Je vais finir par la voir. Peu importe si tu as de l'argent ou tu as de la richesse. Tout ce que je veux maintenant est que tu quittes ma maison. Mais, quitte ma maison! Quitter ta maison, quitter ta maison. Ok, ok. Ok, tu veux pas partir. Comme tu veux. Je sais que tu veux de l'argent. Comme tu veux. Okay. Je te paierai cash ici. Attends seulement, j'arrive. Chekwas, j'espère que tu ne vas rien faire de stupide. Hein. Attends, j'arrive. Hey! Tu cours? Ouais. Ouais. Est-ce que tu as un coup de route? Hein? S'il te plaît. Ouais. Dépêche-toi. Les gens attendent. On veut écouter ta version avant de savoir quoi faire. Ouais. Allô? D'accord. Quelle est cette situation même? Hein? Tu commets quoi? Fais attention. Tu sais ce que tu m'as causé? Attends, s'il te plaît. C'est quoi tout ceci? Ces vieux retraités, pourquoi vous comportez-vous comme ça? Écoutez, toute cette folie doit s'arrêter ici et maintenant. Sinon, je crierai et demanderai l'intervention de la police pour venir à mon aide. C'est quoi tout ça? Il faut le faire. Fais-le pour qu'il vienne. C'est arrivé à ce pauvre cas où tu l'ignores. Voici l'occasion, une belle opportunité pour prouver mon amour à Concorde. Malgré l'argent, la richesse qu'il lui a présentée, c'est moi qu'elle a choisi à cet âge. Toutes ces choses qui se passent par-ci, par-là, sont les œuvres des personnes de mauvaise foi pour détruire notre union. Mensonge, monsieur. En fait, on devrait te trouver un autre nom. Tu n'es pas un homme. Tu es un homme, pourquoi tu as permis à ces femmes de lui chercher des troubles et des problèmes? Si ce n'est pas pour lui... Le chef Omeka, je l'ai appelé la police, l'armée. Hey! Tu penses me prendre encore comme ça? S'il vous plaît. J'en ai eu assez de toi. Que veut dire ceci? C'est quoi cette connerie? J'ai réalisé que vous deux, vous êtes malades. Ouais. Pouvez-vous me respecter ne serait-ce qu'une fois? Comment? Une fois. Comment? Vous deux partez et revenez dans la soirée, s'il vous plaît. C'est quoi cette folie? Non, arrête ça. Ne le touche pas. Non. C'est ta faute. Vous n'êtes pas entré.
Tout ceci devient ingérable. Tu dis qu'à frappe-le. Frappe-le. Hé, hey, toi, essaie de t'approcher. Viens attends, ici. Tu vas voir. Viens ici. Attends. Oui, frappe-le. Oui, frappe-le. Attends, ton tour viendra. Attends, ton tour viendra. C'est avec moi que tu veux. Hein? Tu veux te battre avec moi? Attends. Essaye de me toucher. Essaye, non? Essaye de me toucher. Essaye si tu es fort. Vas-y, essaye. Ah, ma sœur, lève-toi, non? Frère, laisse-la, c'est une femme. Laisse-la, non? Frère, laisse-le, non? Laisse-la, non? Ma sœur, n'abandonne pas, je suis là. Vas-y, essaie de me toucher. Vas-y, idiot. Tchidika, je suis là. Je suis là pour toi. Et je l'avais déjà dit, moi je me bats pas. Hey! Oh mon Dieu. Ne t'en fais pas, n'abandonne pas, ne t'en fais pas. Essaie d'être forte. Je vais oui, voilà. Oui, tu l'as eu. Vas-y, frappe-le. Frappe-le, vas-y. Oh, ouf, je suis très fatigué. Oh mon Dieu. Je suis fatigué, oh. Vous continuez toujours. Frappe-le. Casse-lui la jambe. Toi, idiot. Tu vas te battre avec une petite fille comme ça. C'est bon pour toi. Laisse-moi. Moi, je ne me bats pas. Je ne veux pas de problème. Vas-y, frappe-le. Moi, j'ai dit que je ne vais pas me battre aujourd'hui. Si je me bats là, je vais tuer quelqu'un. Hé, Chinelo, Akodo, ne pose même pas une question, parce que je la connais déjà. Le garde de ton mari est en train de poursuivre ton fils et la fille de ta sœur. Et tu serais avec un gros bâton. Hey, je sais pas si ils sont en vie. Vite, cours d'accord. Vite. Il n'a pas de problème. Cours vite le chercher là-bas. Oh. Hey. Vas-y. Hey. Va laisser courir. Hé, hey, juste des problèmes ces messieurs, vraiment. Hein. C'est pas normal. Je dois la voir. Tu ne je peux dois pas. La voir. Tu ne je dois rien. La voir. Je dois la voir. Je dois la voir. Tu vas la voir en tant que ta femme. Je dois la voir. Qu'est-ce que tu dis? Je ne suis pas un meurtrier, s'il te plaît. Je t'ai donné assez de respect. Tu vois ce que tu as causé? Tu vois ce que tu as fait? Tu vois ton vieil homme. Il faut que tu te respectes. Je ne peux pas te respecter. Laisse-moi, non. Laisse-moi m'occuper. As-tu l'argent pour prendre soin de Concorde? Tu as l'argent pour prendre soin de Concorde? Oui, je n'ai pas d'argent. Donne-lui ton argent. Tu ne peux pas te respecter. Respecte ton vieil âge. Respecte-toi, vieil homme. Il faut que tu te respectes. Respecte-toi. Notre différence, c'est l'argent. Moi, j'ai beaucoup d'argent. Je suis un grand homme. Respecte-toi. Respecte-toi. Il faut que tu te respectes. Qu'est-ce que cet homme vient de faire? Chef Omeka. Laisse ça comme ça. Quitte ici. Chef. Chef, c'est moi, l'honorable. Va à la fenêtre. Tais-toi, vieil homme. Laisse-moi, c'est moi qui parle. C'est moi l'honorable. Animal. Écoute, vieil homme, ne... Hey. Oh, God, c'est moi qui parle. Bouge de là. Arrête chef. Ta main là-bas. Chef, c'est moi l'honorable. S'il te plaît, ouvre la porte à cause de moi. C'est moi l'honorable. L'homme de l'argent. Juste à cause de moi, ton beau Chakwa, ouvre la porte. Écoute-moi, vieil homme. Respecte-toi. Non, tu vois ce que tu as. Mais respecte-toi. Tu es content maintenant. Respecte-toi. Oh. Tu ne veux pas je te mettrai loin d'ici. Enfermé qui? Si seulement j'avais mon propre père. Si seulement ma mère ne m'avait pas menti, disant que Omenka est mon oncle et que mon père n'est plus. Si seulement j'avais vécu une vie familiale normale. Si seulement en grandissant, je n'avais pas vu ma mère faire toute cette folie dans sa vie maritale. Si seulement elle ne m'avait pas instruit de cette façon, tous mes rêves et plans de vie de la cité est en vain. J'ai fini ma vie ici au village. Si seulement j'avais des gens qui pouvaient me donner des bons conseils et m'éduquer comme il faut. Si seulement j'avais un homme que je pouvais regarder dans mes yeux et l'appeler père.
Monsieur, laisse-la, non. Monsieur, laisse-la, non. Tu vas la jouer. Laisse-la, non. Monsieur, laisse-la, non. C'est une femme. Monsieur, laisse-la, non. Lève-toi. Lève-toi, allons-y. Allons-y, suis-moi. Si ce que Chinelo vient de me dire est vrai, il est temps alors de finir ce problème. Hein? Si Chekwas veut marier toutes les filles de ce village, qu'il le fasse, je m'en fous. Il ne peut pas me dominer. Hein? Que je parte sauver mon fils, il est en danger. Hey, mon Dieu, oh. Hey, on va tuer mon fils pour rien. Je dois faire quelque chose aujourd'hui même. Aujourd'hui. Hey. Essaie-le, tu vas voir. Essaie-le, tu vas voir. Écoute, tu m'as amené des problèmes comme dans un marché. Je vais l'acheter, le doubler et faire mon profit. Tu es un tonneau vide. Aucun problème. Un pas de problème. Qui ne fait que du bruit. Je vais utiliser mes connexions fédérales et en finir avec toi. Écoute, toi, je vais finir avec toi. J'en finirai salive, avec toi. Que toute salive que te touche pas. C'est une salive honorable. Que c'est une salive touche. Honorable. Si ma salive te touche, c'est une salive que honorable. Touche c'est seulement. Une salive honorable. Me touche seulement. Moi, je te respecte. Toi, ça, hein. C'est quoi, je te respecte. C'est parce que je te respecte. C'est parce que je te respecte. Donne-moi ça. Sauvez-nous. Il arrive. Mais c'est pas quoi. Mais c'est quoi comme ça? Pas comme ça. Pas comme ça. Non, pas comme ça. Attendez. Toi, laissez-moi passer. Honorable, vous devez arrêter. C'est moi l'honorable qui vous devez arrêter. Arrêtez. Écoute-moi. Laissez-moi passer. Écoute-moi. Mazi. Laissez-moi passer, je l'ai tué. Je l'ai tué. Je vous respecte bien. Calme-toi, Patio, des problèmes partout dans ce village. Hein? Patio, faut te calmer, hein? Calme-toi, Patio. Attends. Neka! Ah! Neka, d'où viens-tu? Je n'ai pas besoin de ta salutation. Garde-la. J'espère que tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a? Va chez toi. Il y a le feu sous la montagne. Sauve ta fille. Sauvez ma fille. Sinon, tu vas enterrer 10 personnes dans ta parcelle. Fais sortir ta fille de ce village. Sinon, tu vas enterrer 10 personnes dans ta parcelle. Je ne comprends pas. Écoute mon conseil. Rassure-toi de la faire sortir de ce village. J'ai été entendu. Monsieur, allons-y. Écoute mon conseil. D'accord, merci. Partons. Hey, bye, merci. Qu'est-ce qui est arrivé à ma fille? Hein? Je suis très déçu. Je regrette avoir entré en contact avec vous deux.
C'est quoi cette connerie? Hein? Vous deux, vous êtes devenus malades. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Et... Kossi, dis à ces deux imbéciles que tu n'as plus rien à faire avec eux. Hein? Même si tu avais une relation quelconque avec eux, c'est fini aujourd'hui. C'est quoi cette bêtise? Je ne dirai rien jusqu'à ce que je voie ma mère. Oh, Concorde. Hey, wow. Ce que je te demande est un ordre. Dis-le-leur maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas ici, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Hein, Chouma? Maman? Est-ce que tu vas bien? Vous venez faire quoi ici? Je vais bien. Qu'est-ce qui est arrivé? Maman, je me suis battu. Je me suis très bien battu, maman. J'ai confiance en toi. C'était une vraie bagarre. Qu'est-ce que tu racontes? Alice. Yeah! Ou en quoi? Oh. Que fais-tu ici? Il a quoi? Je suis ici. Me battre pour cette jeune fille que tu vois là, ma Concorde chérie. La fille que j'aime beaucoup. L'amour de ma vie. Mm-hmm. Concorde, ma fille? Oui. Non! Non! Mais. Qu'est-ce que tu veux? Non! Dire? Et tu. Ça ne peut pas se faire! Et tu es moi? Naï. Est-ce que je l'ai bien écouté? Comment t'as-tu appelé? Naï. Alice? C'est une longue histoire. Alice, n'es-tu plus tu moi? Naï. J'ai vécu une vie de mensonges. Hein? Mon vrai nom est Alice. Et non, Efeyoua. Avant qu'on ne se perde. Et vous savez qu'il n'y avait pas de téléphone. Il voulait m'épouser. J'étais même enceinte de lui. Hein? La grossesse. Qu'est-ce que tu racontes? Kossi Chosugu ici est ta fille. Oh. Hey. Hein? Hey. Les merveilles ne finiront jamais. Attends. L'honorable. Hey. Honorable, tu es un grand trouble et tu ne peux pas vendre ces troubles. Donc tu essayes de me dire que cette belle Tantine Concorde est vraiment ma fille. Qu'elle est vraiment mon sang. Oui. Hey. Ta fille propre. Hey. Hey. Oui. Oh. Il est ton père. Hey. 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 Tu vois? Des crises m'ont conduit à amener une autre femme dans cette famille. Mais je remercie Dieu que c'est fini de cette manière. Les crises sont capables de détruire beaucoup de choses. Elles peuvent causer une désunion, elles peuvent déchirer une famille. Alors, je veux que ma famille soit encore ensemble désormais. Je veux que la paix, l'amour et l'union règnent de façon suprême dans notre famille. Papa, si tu le souhaites vraiment, la famille doit être complète. Comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Non. Je le croirai et je reviendrai si et seulement si la famille est complète comme je le souhaite. Chouma, qu'est-ce que tu veux dire? Juste. Quand l'on pense que c'est fini, un autre défi surgit. Papa, qu'est-ce qu'il veut vraiment dire? Calme-toi, tout ira bien. Hein? Crois seulement. Hey! Entre. Oh. Donc c'est ça la raison pour laquelle tu m'as invité ici? Hein, honorable? Qu'est-ce que j'étais fait pour mériter ce genre de bêtises? Donc ça veut dire que tu n'as aucun respect pour moi, honorable? Calme-toi, maman. Mais calmer pourquoi? Et toi?
voleuse de mari d'autrui. Que fais-tu sur le lit de mari? Calme-toi, hein? Calme-toi. Calme-toi, maman. Laisse-moi tranquille. Doucement. Non, j'exagère. Mais doucement. Non, non, non. Calme-toi. Je suis pas d'accord avec toi. Honorable, parle. Calme-toi. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi. Calme-toi. Moi, c'est l'honorable Wakwe. J'achète des troubles, je vends des troubles et j'ai fait mon profit. Vas-y, parle. La belle tantine Concorde que tu vois là, c'est ma belle fille perdue que j'ai enfin retrouvée. C'est ma fille. Est-ce que c'est vrai? Oui. Hey. C'est mon père. Je serai là aussi comme ton styliste pour te rendre belle et qu'ensemble nous faisons de mon père, ton cher mari, le vainqueur des élections qui arrivent. Ah, tu écoutes ça? Tel père, telle fille. Tu as vu ça? Elle est ta fille. Oui, ma femme. C'est ma fille. Nanyomeka, où es-tu? Nanyé. Nanyomeka, viens vite. Nanyé a gagné les élections. Ah. Hey, il est sorti vainqueur. Franchement, hey, oh, je suis dans la joie. Hey, dépêche-toi. Hey. Dis-moi, il est où? Il est à la maison pour se réjouir. Dépêchons-nous, partons. Allons-y. Allons-y. Attends. Hein? J'arrive. Nanyomeka, hey, dépêche-toi, allons. Hey, quelle joie aujourd'hui. Hey, allons-y. Hey. Hey. Écoute, Concorde, il y a 2 mois, mon cœur ne bat que pour toi. Mon cœur a besoin de toi pour faire de cette famille complète. Tu sais, même si mon père courait derrière toi, mon cœur n'avait que besoin de toi. Je pense toujours comment t'amener au 7e ciel. Je suis amoureux de toi. Tu te rappelles encore ces jours-là, cette nuit-là, quand je t'ai venu dans ton bar? Quand j'étais en train de chanter, je disais n'importe quoi et toi tu pensais que j'étais ivre, mais alors que c'était pas le cas. Oui, c'est de l'amour. Et c'est pour toi. Tu sais, le temps t'a donné raison. Heureusement pour moi, je n'ai pas été en intimité avec ton père. Malgré que j'étais là, nous étions ensemble. Je souhaitais vivre avec un vieux. Mais pendant ces 2 mois, tu as complètement changé ma perspective. Je doute que mon père accepte que je t'épouse à cause de cette bataille entre toi et ton père. Ah non. Essayons d'oublier cette bataille. Accepte juste ma proposition et je prendrai soin du reste. Oui, je l'ai approuvé. Je l'ai approuvé. Oui, je suis d'accord. Papa. Mon fils. Maintenant, tu commences à me surveiller. Tu as mon approbation, mon fils. Oui, j'ai approuvé. Je prendrai soin de la fille. Bienvenue, ma fille. Hey. C'est ma joie de t'informer que je n'ai rien fait avec elle. Vous savez, je vends des troubles et j'achète des troubles et je fais de mes profits. Mais ça, c'est les troubles que j'achète et je ne peux pas vendre. Bien, tout est bien qui finit bien. Oui. Hé, hey, mon beau-fils. Vraiment. Oui, mon beau-père. Je croise. Hé.